Tao-san. Yes? Are there any other Chinese people around here? Why do you want to know about other Chinese? Nothing, really. Is it something to do with what happened to your father? Yes. Oh no. Not all Chinese people are bad. I understand that, but the only clue I have is that they were Chinese. Please, is there anything you could tell me? You say Chinese people around here? But there's quite a lot of them compared to before. En Chine, en devanture de salle d'arcade, j'ai plusieurs fois vu des personnages de King of Fighters, moins de Street Fighter il me semble, prédominance SNK en salle de jeu également, beaucoup de KOF 97-98, moins, parfois même pas du tout de Street Fighter. C'est une impression issue de l'observation d'une quinzaine-vingtaine de salles au plus, mais parti de là, je me suis souvent demandé si le corpus, à mes yeux, moins japono-centré de King of Fighters, était plus facilement recevable par exemple que Street Fighter et Chun-Li pour les joueurs chinois. Ceci étant, j'ai aussi croisé un camion bleu Yue-Jin chinois typique arborant un autocollant de Ken de Pocket Fighter sur sa porte avant. En Chine, on trouve des autocollants de tout, Disney, Hello Kitty, etc. J'ai vu les mêmes camions arborés du Transformers par exemple, mais c'est peut-être le genre de trace qui contredirait mon impression en faveur de SNK. Quoique Kyo de King of Fighters taille réelle en devanture de salle de jeu et Ken de Street Fighter mini sur camion, SNK géant et Capcom petit en Chine, ça reste un peu la même idée. J'ai soumis cette impression à deux joueurs chinois. Le premier m'a répondu que les personnages SNK sont plus cool, fashion, sexy que ceux de Street Fighter, peu sexy à part Chun-Li, et que KOF comportait plus de personnages chinois. Le second m'a dit que KOF avait été un phénomène important du jeu vidéo en Chine au milieu des années 90, ça confirmerait donc plutôt l'hypothèse. Peut-être aussi que le design KOF colle plus à ce que peut faire par exemple un dessinateur populaire de Hong Kong comme Andy Seto, connu pour sa production en KPDP chinois, fantasy, mais qui a aussi fait des bandes dessinées King of Fighters. Bref, il y a peut-être toute une esthétique plus à même de plaire en Chine dans King of Fighters, mais faudrait creuser ce sujet un peu plus. 10 ans plus tôt, j'ai aussi rencontré en Chine des personnes qui, de leurs propres mots, préféraient jouer un personnage chinois, et j'imagine que la question se pose aussi, pareillement, au Japon. Par exemple, dans la série High Score Girl, le héros découvre Super Street Fighter 2, et il adore visiblement l'introduction du jeu. Avant, c'était deux étrangers, maintenant c'est Ryu. Le héros dit cela très naturellement, parce que Ryu est le héros du jeu sans doute, mais peut-être aussi parce que c'est un japonais. Après tout, ici, il n'a pas dit « avant, il y avait deux types banals, deux types indifférents qui se battaient », il a bien dit « deux étrangers ». La nationalité compte sans doute. Si au Japon, Ryu est le héros de Street Fighter 2, dans le film live et la série animée américaine, il va de soi que c'est Guile et que Ryu y est très secondaire, ça aurait pu être Ken, le nouveau héros aux États-Unis, sur un pied d'égalité, mais non, on a choisi Guile, héritage G.I. Joe, culture du cinéma bodybuildé Schwarzeneggeresque, à la commando, etc. Guile ou John de Art of Fighting, Harines, le Marines en uniforme de pilote dans Daraku Tenshi, l'américain militaire et ou pilote, est donc aussi une façon de situer les États-Unis. Ça n'est pas un étudiant ou un sportif comme dans World Heroes, mais bien un militaire, les États-Unis comme force armée. Ça les raconte évidemment face au monde entier, mais bien sûr ça souligne un moment clé des rapports historiques Japon-États-Unis, bombardement de Tokyo, Hiroshima, Nagasaki. De tête, je n'ai pas de contre-exemple de personnage japonais aviateur ou kamikaze en uniforme, et je ne suis pas certain que le jeu de combat japonais l'oserait tellement, mais l'aviateur occidental, lui, habite le jeu de combat japonais. Même Falcon, l'anglais de Power Stone, est une variation sur Ken pour le côté baron rouge, ainsi que sur Guile, le pilote blond, dont on change le drapeau sur l'épaule, et dont les attaques sont Power quelque chose, Power Missile, Power Hurricane, Rocket, etc.
Bref, l'idée de nationalité et d'origine pèse véritablement sur les personnages. Et parfois, il n'est pas besoin d'avion de chasse, avec Raymond de Gagnier-Togi, par exemple, soldat occidental sur fond de désert oriental, en somme, la guerre du Golfe n'est pas loin, ou encore Han Feilan, au nom déformé de Hong Fei Hong, au dragon dorsal et à la musique chinoise cliché. En jeu de combat français, on mettrait peut-être par chauvinisme un personnage à coloration française, comme ça arrive dans le jeu de combat nippon, Lion, Jean, Rémi, Abel, Jeanne, Piel, personnages plus ou moins interchangeables avec un anglais, espagnol, italien, pour avoir le quota d'Europe du line-up. Bref, un français ok, mais pas plus je crois, parce qu'on se sentirait trop en rupture avec les codes établis d'un genre à prédominance asiatique ou américaine. Même le jeu de combat français Last Fight, assez original, recourt aussi à sa façon à l'archétype de la femme asiatique florale, ici matinée de Poison Ivy, j'irai couvrir ta tombe de fleurs. Dans un décor japonisant avec bonsaï et carpe koi, paradigme floral plus courant en jeu japonais, pour exprimer des femmes chinoises, dont on verra des exemples. Bref, les modèles nippons s'exportent et sont bien installés. Évidemment, si idéologie il y a en jeu de combat, elle n'est pas uniforme. Entre Dead or Alive aux filles objets sexuels sans véritable marqueur national très appuyé, fanservice misogyne plus généralisé, ou encore Virtua Fighter plutôt respectueux d'un matériau chinois à mes yeux, le jeu Rabbit ou Tobal, Star Gladiator, fort de clichés, dans tous ces jeux je ne ressens pas les mêmes choses et je vais m'arrêter ici sur la question du régionalisme et notamment de la Chine en jeu de combat. Certains contes et récits anciens donnent peut-être des pistes de compréhension de rapports Chine-Japon et de la façon dont ils peuvent s'exprimer. L'ouvrage Shinto ancien présente l'idée nippone d'un peuple chinois bas et corrompu, face aux Japonais naturellement honnêtes et bons, n'ayant donc, eux, pas besoin de morale. C'est aussi l'histoire du premier nom du Japon donné par l'Empire chinois, le Wa, perçu par les Japonais comme péjoratif, croyant y lire l'appellation du nain, un être miniature donc, même si ce nom voulait apparemment dire plié, courbe, peut-être à l'image de la forme du pays, si tant est qu'on l'ait alors bien cartographié. Ou bien on peut encore tenir compte de l'histoire nippone de Zegaibo, le meilleur des démons chinois, Vantar, bien plus faible que les démons japonais qui s'en amusent, démon chinois blessé dans des confrontations de force et forcé d'admettre son infériorité, que l'on raccompagne courtoisement sans lui proposer d'aller au bain, les étrangers ne comprenant pas les exigences de comportement nippon, trop grossiers, mais on l'accueille tout de même dans un banquet avant le retour au pays. Ce type de conte n'est peut-être pas loin des enjeux et des méthodes de discours du jeu de combat, façon symbolique détournée de tenir un propos sur un pays et un peuple entier. Évidemment, le jeu de combat japonais puise aussi beaucoup dans la Chine, d'abord de façon manifeste avec le cinéma. Le kung-fu chinois donne évidemment en premier lieu des personnages au jeu de combat japonais. Oi de Martial Champion, Chin de King of Fighter, Shundi de Virtua Fighter, etc. Bref, la figure du vieux maître chinois, notamment de la boxe ivre, popularisée par le film Drunken Master, ici au décor d'Épinal, pagode, bambou, panda, montagnes en brume, Guilin, mais aussi des personnages comme Lei ou Low de Tekken, inspirés de Jackie Chan et Bruce Lee, double cliché de star hongkongaise encore, avec filiation entre Forrest Low et Marshall Low, dont le nom, jeu de mots avec la loi martiale, est aussi le titre américain de la série nommée en France Le Flic de Shanghai, avec la star hongkongaise Sammo Hung. Bruce Lee est aussi une source intarissable déjà évoquée dans d'autres émissions, rien qu'avec le nom Lee, Lee, héros de Yi'ar Kung Fu, les frères Lee de Street Fighter 3, Chun Li, Jian Li de Dead or Alive, Lee Daolong de Breakers, Lee d'Art of Fighting, au masque du roi singe Sun Wukong, avec son cerceau au front, griffes et masque à la Vega ou grand méchant d'Opération Dragon, qui a sûrement lui-même inspiré le méchant Club d'Okutonoken, menant à Vega, qui lui inspirera Jack de World Heroes ou Titi de Martial Champion, redevenu hongkongais, etc. Côté citation au roi singe avec Engetsu dans Heaven's Gate, Sanson de Capcom et plein d'autres, là aussi, on a encore de quoi faire.
George de Fighting Layer ou Mr. Jones de Rage of the Dragons combinent le costume canon de Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort et Karim Abdul-Jabbar, son adversaire, lunettes de soleil, acteur du même film à la scène culte ici fusionnée, avec peut-être même un peu de Jim Kelly pour la coupe afro, toujours lié à Bruce Lee dans Opération Dragon. Bref, l'héritage chinois, c'est celui du cinéma par les personnages, mais pas seulement. Hier Kung Fu pose l'affrontement en règle d'un pratiquant de Kung Fu contre plein d'autres styles. Tu as toujours prôné que la boxe chinoise était le plus grand art martial. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'elle vaut en face des autres. De même, Shanghai Kid, en 1985, oppose héros chinois à boxe thaï, anglaise, karaté, catch, etc., comme en film de Kung Fu, et notamment, on l'a vu, les films de Wang Yu. Et si ce jeu ajoute à son prédécesseur Karaté Champ la notion de combo, je pense que l'esprit chinois du jeu y est ici pour beaucoup. Dans la même période, le cinéma karaté japonais et américain valorise plus les frappes isolées, les coups impressionnants, les coups d'arrêt, gestes nippons très compartimentés, de qualité, face à un geste chinois en quantité, les mains collantes, les frappes en cascade du cinéma kung-fu, qui ne sont sûrement pas étrangères, aux combos de jeux de combat. De même, la Fury ou Desperation Move de SNK, inspiré des films de combat à retournement final. Cinéma kung-fu au combat très abstrait, décoratif, long et peu réaliste, notamment en termes de gravité, avec vol, chute, rebond. Si en jeu de combat 2D et 3D, la gravité est très vite artificielle, permettant les frappes mid-air, etc., c'est peut-être aussi un héritage de la démesure gestuelle et rythmique de ce cinéma-là. De même, le mode 2 contre 1 de IK+, ou Street Fighter 03, Tao Taido, Street Mart, Fatal Fury, KOF, Knuckleheads, hérite sans doute du combat final de Ciné Kung Fu, parfois en duo contre un méchant. Et bien sûr, le jeu de combat explore toute l'idée du combat séduisant, tendu, excitant que le cinéma chinois a su produire. Ce que le jeu de combat raconte par animation, concise, spectaculaire, d'extrême souplesse, etc., ça n'est pas une bagarre aux gestes ratés, hésitants, aux mauvais réflexes, mais bien du flamboyant chorégraphique d'inspiration filmique. Les films de Wang Yu, au nationalisme exacerbé, concentrent assez ce que le jeu de combat doit à ce cinéma. Par exemple, avec le film Le Boxeur Manchot, très célèbre, et ses adversaires étrangers, pratiquant boxe thaï, aïkido, karaté, judo, etc. Quasi line-up de jeux de combat, personnages tous très caricaturaux, aux allures et pouvoirs parfois particuliers, méchants japonais aux dents d'ogre, indiens archétype yogi au pouvoir de manipulation, corps très souple perfectionné dans le film suivant, le bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante, dans lequel Street Fighter 2 puise certainement son dalsim extensible. Le professeur de yoga, Murasing. Méchant moche à qui il manque une dent type Balrog, même si Mac Tyson est sans doute aussi passé par là. Des films potaches à la couleur très jeu vidéo, comportant du 2 contre 1, du team battle, avec affrontement organisé, où lorsqu'un adversaire perd, un allié le remplacera face au même ennemi, les uns à la suite des autres. On trouve aussi des techniques récurrentes d'un adversaire et contre-techniques à trouver pour le héros, tournois de personnages variés en styles et origines. Bref, le jeu de combat doit peut-être quelques-unes de ses formes à ce type de production populaire. Sans le succès du cinéma kung-fu, le jeu de combat n'aurait sans doute pas existé ou pris les formes qu'on lui connaît. Le film japonais Serpent Blanc, basé sur le célèbre conte chinois qui donnera à Miyazaki envie de faire de l'animation, résume peut-être l'apport chinois au jeu de combat, un linteau, une source ou structure de fond. L'influence chinoise, ça n'est pas juste le kung-fu spectaculaire sur le jeu de combat, mais l'alphabet au 6e siècle, l'habillement, l'architecture de la Chine ancienne dont on trouve des formes au Japon presque disparues en Chine, mode chinoise qui structurera le Japon administratif, réforme Taika au 7e siècle, etc. C'est aussi peut-être pour ça notamment un sujet de haine lié à l'identité, peuple japonais Yamato venu de Corée, aux racines culturelles chinoises fortes, aux dogmes fondateurs Shinto les déclarant issus des dieux Izanagi et Izanami japonais. Bref, vouloir la Chine et la Corée, c'est revendiquer des racines qui renient elles-mêmes le Shinto, argument de droit et contre-argument de foi et d'orgueil schizophrénique. Bref, lorsque dans la série Tonkotsu Ramen, le héros japonais paternaliste pose sa main sur la tête du Chinois habillé en femme,
c'est peut-être aussi le résultat de la digestion de tout un ensemble de pensées. Et de fait, le jeu de combat s'inscrit sans doute également dans ces questions d'identité, d'autorité, parfois à travers des détails. Dans Fighter's Impact, le Kung-Fu est décrit comme rapide et fort, mais le karaté est un des arts les plus célèbres du monde. Un jeu chinois aurait peut-être dit le Kung-Fu parmi les plus anciens, célèbres et puissants du monde, qui sait ? Bref, comme toujours, il s'agit de se placer. Les films hollywoodiens financés aujourd'hui par la Chine, type Rampage, Baywatch, contiennent des gentils chinois, des mini-rôles ici et là aussi artificiels que le méchant chinois d'une autre partie de la production hollywoodienne, opposée, et bien de même, il existe probablement plusieurs axes du jeu de combat. D'abord, il y a le jeu de combat japono-centré, folklorique, Samurai Shodown, Last Blade, Ninja Master, Bushido Blade, Kabuki Clash et son palais sous-marin issu du conte d'Urashima Taro, Fujiyama Buster et Blood Warriors, folklorique au paroxysme, ou encore Dragon Might, avec un Japon en force aux deux tiers du line-up. Côté Japon moderne urbain, on a Rival School, Anarchy in the Nippon, Last Bronx, même si côté imaginaire américain du Bronx par procuration, le beat'em all en bagarre groupée a certainement plus pesé. On trouve certes Fighting Vipers, mais aux héros japonais, et second couteau métis nippono-américain. Aggressor of Dark Combat fait moitié-moitié entre iconographie japonaise et américaine. Fatal Fury ose les États-Unis plein pot, mais la Chine y est aussi très présente. Bref, tout ça, c'est peut-être une idée du jeu de combat dominant. Mais il y a l'autre jeu de combat. Le jeu de combat japonais, ouvert sur l'extérieur, sur le reste du monde, Hi-Ha Kung Fu, chinois jusque dans le nom, Virtua Fighter, Fighting Wushu, Rabbit, jeu japonais d'inspiration chinoise, ou encore la simulation sportive Taekwondo, centrée sur l'art martial coréen, Holoseum, jeu de combat mondialiste dénué de personnages japonais, Schwarzenegger, boxe thaï, kung fu et karaté certes, mais pratiqué par un occidental, ou encore Violence Fight de Taito, à la référence à Mr. T, et au line-up uniquement chinois et américain. Enfin, et c'est surtout ce qu'on va voir ici, l'autre jeu de combat, c'est également le jeu non japonais, le jeu de combat coréen et taïwanais avec des développeurs comme Vicom et IGS, le jeu de combat chinois continental, américain, italien par exemple, et si je ne parle pas de jeux hongkongais, c'est que je ne sais pas toujours si les jeux viennent de Chine continentale ou d'Hong Kong, dans le doute, je dirais juste chinois. Ceci étant, commençons ce tour du jeu de combat alternatif par le rival majeur du jeu de combat japonais, le jeu de combat américain. Je passe assez vite dessus parce qu'il est exploré déjà par plein de monde ailleurs. Le référent en est Mortal Kombat, qui institue le gore comme cheval de bataille face aux jeux japonais un peu plus prudes, avec aussi Thrill Kill, Killer Instinct, War Gods, Primal Rage, Clay Fighter et plein d'autres jeux digitalisés, acteurs ou 3D. Bref, un jeu de combat qui se distingue par le gore et ou la préférence d'autres matières visuelles que le dessin, même s'il y a évidemment des contre-exemples type Bloodstorm. Dans Body Blow, jeu anglais de Team 17, l'exotisme diffère un peu de celui d'un jeu de combat asiatique moyen. On trouve Costa Rica ou Costa Brava, selon les versions. Russie encore plus cliché que Street Fighter 2 avec Cossack moustachu, sous-marin et grand bateau. Ring, bureau, immeuble, cadre très urbain, terne, un temple Shaolin pour le principe. Soit dit en passant, Shaolin, c'est assez vite un décor extérieur, temple, stupa, plutôt que lieu de pratique intérieur au sol cassé par les frappes de pied par exemple, cette iconographie étant peut-être moins grand public. De manière générale, le jeu de combat anglais ou américain emploie les épinales du ciné kung-fu, mais aussi très science-fiction, urbanisme occidental, moderne, techno, à la violence voulue plus tranchée, peu adoucie par le design, dont Mortal Kombat est encore une fois l'icône, mais je ne vais pas m'attarder plus sur ce pan immense du jeu de combat. Côté jeu italien, Mighty Warriors joue l'Antiquité. Ne pouvant s'en rapporter à des cultures martiales modernes italiennes, on puise visiblement dans l'Empire romain et l'Europe en général, transfert du centre de gravité martiale méditerranéen nord-européen. Viking, sumérien ou assyro-babylonien avec taureau ailé androcéphale apparemment, celte, romain et grec donc,
On est bel et bien dans un imaginaire mondial assez éloigné du jeu de combat japonais, Égypte pyramidale et viking à part, avec Inde, qui fait assez africaine ici, je trouve, Chine, et pas de Japon, étonnamment. Mug Smasher est un beat'em all collaboratif anglais-italien, qui a aussi une couleur à lui, derrière l'imitation des modèles nippons. Il y a également le plus classique Fighting Spirit, au personnage chinois nommé Yuri Ishimoto, et décor très fujiyamesque, hormis la pagode chinoise. Le tout pour décrire Hong Kong, semble-t-il. Ici, on suit essentiellement la marche à suivre japonaise, dans les décors, Inde éléphantesque et Thaïlande en Bouddha et tigre, États-Unis Rushmore et militaire façon Guile, Japon et Chine pas facile à démêler l'un de l'autre, avec des signaux contradictoires ici et là, Japon cascade statue, mais dragon et pylône un peu plus chinois sûrement, personnage japonais nommé Kento Sasaki, les noms sonnent pas toujours très justes, Hishimoto serait plutôt Hashimoto ou Kishimoto et pas chinois, Sasaki ça serait plutôt Sasaki, ici japonais mais de l'école imaginaire Shaolin d'Akyota, au maître nommé Kamonji. Shaolin et Kamonji, signal sonore contradictoire encore, pour un personnage associé à l'esprit du dragon d'Okinawa. Bref, c'est du grand mélange. Un jeu qui veut bien faire en cochant toutes les cases. États-Unis, statue de la liberté, voiture rouge à la Ken de Street Fighter. Plage bikiniesque. Animaux totem aussi pour les personnages. Un jeu fou et surchargé. Taj Mahal, éléphant, grand canyon, hélicoptère, adversaire tigre et dinosaure, adversaire super difforme, etc. L'impression d'un pur croisement entre Street Fighter 2, Art of Fighting et Fatal Fury, avec, on l'a vu, un peu plus de confusion pour les personnages asiatiques sans doute. J'imagine mal le jeu japonais mélanger tout ça de cette façon et proposer ce type de nom de personnage. Ou encore le jeu Shadow Fighter, original par endroit. Fakir turban lambda, mais pakistanais, slam dunk basketteur, mais danois, Kuri simili Zangief tibétain, nationalité que le jeu de combat chinois continental éviterait plutôt, j'imagine, Salvador l'espagnol combattant de rue, Yarado l'ermite mystique des montagnes, mais mexicain, avec un personnage japonais tout petit aussi, beaucoup plus rare en jeu de combat nippon, bon il y a aussi Lichen le chinois, Manx la sauvageonne de la jungle type, Okura, le japonais d'Épinal, bref, il y a également ici du très cousu. Le personnage chinois et japonais au décor commun ici donne avec le jeu Fighting Spirit également l'impression d'une certaine confusion Chine-Japon dans ces jeux. Côté jeu taïwanais, Alien Challenge DGS en 94 va très loin en clichés mais avec des prénoms étonnants. Décor chinois avec roi singe sur un nuage entre autres pèlerins, trois décors chinois, à proportion, ça ferait beaucoup en jeu de combat japonais lambda. Les Chinois en jeu taïwanais sont plus ou moins aussi clichés qu'en jeu japonais. Par exemple, dans Super Fighter, on trouve le grand classique de la cité interdite autoritaire, avec fille plutôt fragile, héritage Chun-Li, jambes nues, mais portant des couettes et non pas de chignons, un peu moins infantilisant peut-être par rapport au jeu japonais. Dans Tough Guy, on trouve Li, le héros taïwanais, Stan, colosse russe sur la place rouge, drapeau russe sur les bottes, coudières et jusqu'au slip, sorte de Lyoko. Simili Grace Jones, dans un avion en plein vol, pont de San Francisco à l'arrière-plan, Shin Shaolin et Stupa, personnage de Chechen au Népal, et enfin pur boss nazi, Kula, un peu à la Ryu Yamazaki de King of Fighters, main dans la poche. Kof pèse toujours sur cet imaginaire. Il y a aussi Madiesha, gymnaste roumaine, CF Nadia Comăneci sans doute, légende olympique roumaine à la note parfaite de 10 sur 10 en gymnastique. La très bonne relation Chine-Roumanie pourrait expliquer cette gymnaste en jeu de combat chinois, mais c'est ici un jeu taïwanais. On joue donc soit sur l'anticipation du public, notamment pour vendre le jeu en Chine, les jeux IGS entre autres développeurs taïwanais sont très courants en salle de jeux chinoise. Nombre de jeux taïwanais reposent sur le folklore chinois partagé, ou bien on fait simplement ici allusion à Nadia Comăneci, sans plus de raison. On trouve aussi à l'arrière-plan une publicité pour le jeu Sango, du même développeur, Panda Entertainment. Vu le nom difficile de reprocher après aux jeux japonais la grande présence de pandas d'arrière-plan, ou même d'hommes habillés en panda cliché pour illustrer la Chine, quoi qu'il en soit,
si le jeu de combat chinois faisait comme le jeu de combat japonais, c'est-à-dire parler des pays avec lesquels la Chine est économiquement en lien, il pourrait parler d'Afrique plus largement, de Roumanie, Corée du Nord, Gambie, Sao Tomé, Panama, le nombre de pays partenaires ou alliés de la Chine allant croissant du fait de sa puissance économique. Le jeu taïwanais Super Fighter propose également un décor chinois qui fait peut-être allusion aux grottes de Longmen, en Chine continentale, ou à une autre grotte au Bouddha détruit, visage cassé pendant la révolution culturelle. Montrer cela dans un jeu taïwanais me semble intéressant, comme allusion à une période clé pour Taïwan, qui va consacrer sa séparation avec la Chine continentale, son indépendance. Le vieux ninja décrépit japonais Onimaru, en jambes de bois et animaux sauvages, pas sûr non plus qu'on l'aurait trouvé dans un jeu de combat japonais lambda. Il y a certes Genan dans Samurai Spirits, parmi pléthore d'autres personnages japonais, mais dans Super Fighter, hormis un simili Ryu, Onimaru endosse en bonne part l'incarnation du Japon. Pas sûr donc que ce type de minorité nippone peu avantageuse trouve beaucoup de place en jeu japonais. Ni encore le méchant Redman, proche de Bison dans le rire, réincarnation autoproclamée de Satan qui terrifie les Nations Unies, semble-t-il. Dans Hong Kong 97, on tue des fucking Reds, des Chinois. Ici, c'est un Indien américain, étonnant pour un boss de jeu de combat. Venant d'un jeu taïwanais, Redman pourrait aussi vouloir dire communiste, mais bon, apparemment, son nom d'origine est Indian Joe. Discours anti-indien ou anti-chinois continental, à vous de choisir. Côté jeu coréen, on trouve The Great Fighter et ses grillages, béton, bidon, des camps ternes et gris. Il y a aussi Fight Fever, Invincible, ou encore Violent Vengeance, Dragon Master, Best of the Best, au portrait de Mao en décor chinois. Un mélange archaïque par les personnages et plus moderne avec ce portrait pour une caricature très grasse. Cracheur de feu oriental et statue de la liberté, aussi grosse par exemple que la tête de Bouddha dans Kaiser Knuckle, mais ici vivante. Toujours en Corée, Eyes of the Typhoon parle d'un art martial coréen secret millénaire, disparu, de la Chine et de la Corée en état de chaos, et des pays occidentaux ayant entendu parler de cet art martial et voulant le récupérer à tout prix pour conquérir le monde. On comprend vite qu'il s'agit d'un jeu coréen qui utilise un schéma de jeu japonais en déplaçant, une fois n'est pas coutume, le centre de gravité narratif en Corée avec un héros coréen, encore une fois aux couleurs du drapeau. La différence tient parfois juste à ça. A noter que les décors de ce jeu sont parfois très soignés, Épinal certes mais luxueux, Chine avec statue de lion et danse de dragon, Russie toundra ferrée, Japon drapeau impérial plutôt médiéval, pour un décor très daté, par rapport aux avions en chantier de la Première Guerre mondiale peut-être. Bref, si dans l'ensemble ces jeux coréens imitent assez les modèles nippons, ils ont tout de même des particularités, comme pour les jeux taïwanais. Le centre de gravité est changé, le Japon devient souvent secondaire, et on entre parfois dans le détail culturel national. Idem du jeu chinois continental Chuan Do Zhe Wang, que j'appellerai plus simplement King of Combat de son nom international, d'inspiration très KOF, donc japonaise, qui a intégré un temps les personnages de Terry Bogard et Benny Maru de King of Fighters d'ailleurs. Et si le décor japonais de ce jeu le rend bien au jeu de combat japonais en termes de caricature grasse, par exemple, ici avec Fuji, Carpe Koi, Chat de la Chance, Saké à boire, Cerisier en fleurs, etc., ce jeu prouve aussi, parmi d'autres, que la Chine recourt parfois aux mêmes stéréotypes que le Japon à son propre égard, type personnage cloné de Bruce Lee. C'est d'ailleurs vraiment ici l'histoire du personnage Dragon, cloné à partir de l'ADN de Bruce Lee, avec costume éternel du jeu de la mort, sans originalité, décor de carte postale à la Guilin ou Panda, qui est même ici un personnage jouable, copié sur Kung Fu Panda, mais le décor type Guilin est en l'occurrence agrémenté d'oiseaux qui, quoique blancs et plus pélicans, font sûrement allusion à la pêche aux cormorans de Guilin, et c'est déjà un petit plus que le décor de roches et rivières simplement. Après recherche sur Atlas en ornithologie de divers oiseaux blancs, dont pélicans blancs frisés huppés à travers diverses régions de Chine, je fais chou blanc. S'il y a un sens ici à cet oiseau, il m'échappe parfaitement. Shundi, dans son disque CJ Portrait, a également des poules blanches sur sa barque. À nouveau, s'il y a un sens, ça m'échappe. Ici, le canonique décor de toiture d'un temple sous la lune,
certes plus bondé et moins solennel qu'en décor habituellement nippon pour Ryu entre autres, illustre donc la Chine, d'habitude plus pauvre et du moins plus ras de sol en jeu de combat japonais. De même, l'histoire part d'un événement au Pérou et d'une puissante famille chinoise, non pas japonaise, et s'il y a bien sûr des personnages japonais, russes, anglais, espagnols, thaïs, coréens, etc., la majorité est chinoise, et nombre de ces personnages affichent des particularités nationales, ethnie du Yunnan, chinois de Macao, taïwanaise pratiquant le karaté, CQFD, exorciste taoïste, américain issu d'un grand-père immigré chinois dont la famille n'autorisait le mariage qu'entre chinois, donc de sang chinois, dixit sa description Wikipédia, Claire, qui est anglaise mais fille d'un chinois, Ciel, qui est chinoise, et si dans Street Fighter Zero, le personnage Sodom est un Weibo, un étranger voulant devenir japonais, fou du Japon, etc., dans King of Combat, King est un fou de la Chine, pratiquant aussi le karaté Shotokan, CQFD, en termes de récupération culturelle symbolique on fait fort, dont le père attendait qu'il reprenne les affaires familiales, bref, par les codes, les modes de pensée convoqués et les personnages, le centre de gravité de ce jeu est définitivement chinois. Mais même à partir de clichés et d'un pays qui sera étranger aux développeurs du jeu, on peut exprimer avec un jeu de combat focalisé sur un seul pays bien plus de choses que le jeu de combat mondialiste type. Par exemple dans King of Kung Fu ou Shaolin vs Wu Tang du développeur Jay Lee, développeur américain indépendant je crois. Deux jeux hommages au ciné Kung Fu qui, rejouant les épinals chinois et hongkongais, parle bien plus de la Chine et de Hong Kong tels qu'ils se voient eux qu'un Fei Long ou Chun-Li du jeu japonais et qui proposent un marché aux pastèques d'été, un intérieur de temple ou de la maison du maître, la cour d'entraînement de l'école et son jardin, l'auberge, le temple secte noire, etc. Tout ça qui abonde en cinéma kung-fu et qui reste très à la marge du jeu de combat japonais par exemple. Bref, des traces du réel dans l'épinal. L'étal de pastèques, pêche, maïs grillé, raisin en bord de route durant l'été, c'est un cliché, certes, mais le choix des clichés change tout. Cliché japonais ou américain sur la Chine, face à Épinal d'Hong Kong et de la Chine continentale à son propre sujet, ne porte pas la même chose. Bref, l'intérêt de ces jeux, c'est la possibilité d'autres modèles et d'un véritable régionalisme. Et c'est bien sûr valable hors du jeu de combat. En Survival Horror par exemple, sorti du manoir hanté baroque ou victorien de Clock Tower, Resident Evil, et de la bourgade américaine de Silent Hill, Resident Evil 2, 3, 7, etc., on trouve le jeu Détention, qui puise dans la culture taïwanaise, et bien sûr, le charme en est totalement différent. Au lieu de partir d'un cinéma d'horreur occidental généralisé maison hantée zombie, on part d'un cinéma d'horreur local, ça change totalement le goût, voire l'enjeu. Détention emprunte à Silent Hill, à Sirène, des jeux japonais certes, mais joue du Yi Ching divinatoire, des jeux de dés et des fantômes chinois. Il questionne le sentiment de la famille, du travail à Taïwan, etc. Bref, le simple changement de centre de gravité mondial change parfois au final toute l'expérience. Il en va de même, je crois, en jeu de combat. Le jeu de combat qui se focalise sur un seul pays peut dépasser les clichés par leur concentration, rendant la description moins archétypée. Un line-up de 20 Chun-Li tout un peu différentes, c'est par exemple un tout autre propos qu'une seule chinoise cliché. La force des nuances apparaîtra obligatoirement ici. Après, je ne dis pas qu'un line-up juste national nous rapproche de personnages véritablement épais. Le jeu japonais Fujiyama Buster, puissamment folklorique, nomme par exemple ses personnages Kabuki, Ninja, Samurai, Sumo, Geisha avec la faute d'orthographe, ou Kappa, selon leur nature ou fonction. Dans Blood Warriors, l'équivalent digitalisé, ils ont des noms clichés à peine plus personnels, mais si les personnages sont clichés, la description du cadre culturel reste sans doute plus riche, comme dans Shaolin vs Wu Tang, et la surreprésentation d'archétypes connus, surtout dans le pays convoqué, c'est aussi ouvrir un public étranger à ces représentations culturelles qu'il ne connaît pas forcément. En termes d'archétypes, on puise dans des clichés nationaux, jeux vidéo comme Hollywood ont des archétypes pays par pays, partant d'un seul pays voire région, la composition devient forcément plus aiguë, moins concentrée sur des icônes grand public que d'archétypes de classe, obédience, comportement, etc. Les développeurs apposent encore leurs préconçus, certes,
mais le cadre réduit les rapproche forcément d'une expression d'identité de pays qu'ils n'ont jamais fréquenté, pour lesquels les clichés feraient loi d'habitude, ou de leur propre pays, culture, avec des sentiments à l'égard de sa ou ses populations diverses. En somme, parfois, lorsque l'on resserre du général au cadre très particulier, le chauvinisme pourrait avoir du bon. Fantasme circonscrit, repli vers l'intérieur, pouvant éclairer bien des choses. Lorsque Dante Alighieri parle du caractère bien connu des Génois, c'est assez obscur, à moins de savoir soi-même les préconçus d'un Florentin du XVe siècle. De même, si la Russie, l'Inde produisaient du jeu de combat, d'inspiration locale, ça serait sûrement passionnant à étudier, à condition d'avoir soi-même des notions de géographie régionale, particularités culturelles locales et nationales, et une assez bonne connaissance historique de la question, ce que je n'ai pas. Je vais donc chercher à comprendre, sachant qu'il me manque des clés et modes de raisonnement pour appréhender Darakutenshi et consorts, tels que le public cible de ces jeux serait à même de le faire. D'abord, partir de l'idée que chinois ou japonais seraient peu politisés me semble une erreur. Généraliser des peuples entiers, c'est évidemment pas très fin, et il y a bien sûr pléthore de contre-exemples. Côté cinéma, on pourrait prendre Nagisa Oshima et son Nuit et brouillard du Japon, parlant des tensions politiques nippones, retiré après 4 jours en salle, ou son film à propos des chansons paillardes du Japon, qui se risque aussi à interroger le tabou de la culture du viol japonaise et la question de la Corée. Oshima explore l'interdit. L'un de ses films s'appelle d'ailleurs Tabou. Bref, il y a évidemment une expression politique, notamment critique, avec aussi Nanshin Nanshin, du côté du cinéma chinois par exemple, qui dérange pas mal le public chinois. Mais bien sûr, il serait mensonger de nier que des préconçus politiques forts émergent globalement des productions japonaises comme chinoises. Nationalisme, exacerbation des valeurs traditionnelles, misogynie, vision réactionnaire peu contestataire, idée de force nationale et du pays victime. Les supports classiques du jeu vidéo industriel vont bon train ici comme ailleurs. Bref, le jeu de combat, à composition locale, diffuse autant de préconçus que le jeu de combat mondialiste, sans forcément plus de bienveillance. De même, les différences entre équipements, casques, véhicules des diverses armées du jeu Advance War, par exemple, racontent sans doute des inspirations concrètes géographiquement ou temporellement identifiables, mais restons dans le jeu de combat et l'expression chinoise qui s'en dégage. Fin 2009, le Japon compte 2 190 000 étrangers, dont 30%, soit 680 000 Chinois et 578 000 Coréens, d'après Wikipédia. Populations étrangères les plus importantes, Coréens plus ou moins rares en jeux de combat Sega et Capcom, un peu plus présents chez Namco avec Soul Edge, Tekken et SNK qui a développé des liens d'amitié avec la compagnie Viccom, entreprise coréenne dont le président inspirera Kim des Fatal Fury. SNK dont les jeux ont beaucoup de personnages et décors coréens, pour plaire au public coréen, suppose un internaute qui a analysé les choix de décors de référence pour ce pays. SNK a l'épinal Neketsu fashion urbain moins caricatural que Street Fighter 2, héros américain et thaïlandais de Fatal Fury, face au triangle d'or Ryu Ken Chun-Li, Ryu japonais, Chun-Li parlant japonais, et au geste du V churchillien repris dans la culture japonaise, donc assimilé japonaise par le geste, de même que Ken pratiquant le karaté Shotokan, qui apprend comme Ryu une discipline très générique japonaise, à une époque où la popularité du karaté explose aux États-Unis. Bref, ils sont le résultat voulu du Cool Japan, étranger japonophile ou japonisé, là où, côté SNK, Terry, Andy ou Joe le sont déjà moins, même si Andy de Fatal Fury et Ken de Street Fighter sont sans doute assez proches en termes d'archétype. Fatal Fury et KOF, c'est beaucoup de matériaux chinois. Dans Reelboot 2, Li Xiangfei, Hong Fu, les frères Jin, Reelboot offre des décors riches, notamment de cartes postales, artisanat, bambou, panda, guilin pour Tong Fu Hui, mais le Japon, avec le décor d'Andy par exemple, y est également très carte postale. Le très secret Fighting Bujutsu de Konami, au line-up asiatique, à la Yiha Kung Fu mi-chinois mi-japonais avec un coréen, me conforte dans l'idée d'un Konami époque 32 bits original, un peu moins licence adaptée et grosse franchise qu'à l'époque 16 bits, erreur industrielle ou énigme avec la carte Cobra créée juste pour ce jeu, défi technique orienté polygone plutôt que texture, à rebours de ce qui suivra esthétiquement dans le jeu vidéo, et enfin, jeu inachevé pour un marché de l'arcade plutôt réduit, donc exigeant. Bref, un objet visiblement incroyable dans le sillon de Virtua Fighter 3,
malheureusement difficilement jouable en émulation, jeu diagnostique qui permet de situer des époques et de comprendre les évolutions technologiques, mais aussi jeu bardé de clichés, Chine d'Épinal portant un nom floral, comme tant d'autres de personnages féminins chinois du jeu de combat japonais. Le jeu japonais Dynasty Warriors propose un line-up entièrement chinois, mais aussi le shogun japonais Oda Nobunaga en boss secret. Le nom de l'entreprise Koei est déjà assez marqué, signifiant victoire, lumière, bref, une idée du Japon. C'est peut-être ici encore un autre rapport à la Chine que dans le jeu taïwanais. Il faudrait sans doute comparer les Épinal évoqués. Le jeu japonais Rabbit, au line-up et folklore chinois caricatural pour un développeur japonais, est également intéressant. Simili Zangief chinois travesti à talons hauts, colosse chinois litigieux en jeu japonais qu'il est peut-être préférable ici d'efféminer pour affaiblir, quartier rose aux robes Chipao en fleurs, comme la rue chaleureuse commerciale de Mark of the Wolves, avec dragon et panda girl, bingo, slot machine, chinoise à Chipao en néon, effet de représentation de la Chine façon Chun-Li, au chignon très gras, la fille en néon ayant assez vite un fond érotique, Panda Girl, Vegas, États-Unis de King of Fighters 2001, Pin-Up Néon de Fighting Eyes, ou Petit Chat de la Chance chinois en néon de Felicia, elle-même très érotisée, pour la série Darkstalkers par exemple. Bref, on ne trouverait peut-être pas ça dans un jeu chinois ou taïwanais. De même, le village pauvre en terre battue autour d'un puits du jeu Rabbit existe dans le jeu taïwanais Martial Master, mais bien plus à la cool, avec des joueurs de Mahjong et des supporters enthousiastes, peut-être parce qu'on n'y vit pas l'épinal rural chinois de la même façon. Dans Martial Masters, aux développeurs taïwanais donc, l'épinal n'est pas loin de celui de personnages et décors chinois de nombreux jeux japonais, Last Blade par exemple, mais cet épinal discute ici avec lui-même. Il n'y a pas juste un décor et un seul personnage chinois, mais une véritable unité chinoise qui fait ressortir des particularités. Un comptoir anglais, au drapeau pour une fois contre-emploi, dans ce cadre de la Chine coloniale, aux soldats britanniques mettant le joueur en joue, rue passante, temple avec des grues, etc. Il s'agirait d'explorer la différence de traitement, stylisation comique, burlesque du jeu Rabbit, à la solidité de Martial Master ou d'Oriental Legends, jeu construit autour du récit de l'épopée vers l'ouest, Sun Wukong, en arcade, ou même le jeu taïwanais Demon Front et Metal Slug, comparer jeux japonais et chinois ou taïwanais plutôt que toujours comparer le jeu japonais et américain. On pourrait aussi comparer entre eux les jeux chinois, taïwanais, hongkongais basés sur le folklore ou l'histoire chinoise, The Young Warrior Family, The Killing Blade, Knight of Valor, Shui Hu Feng Yun Zhuang, Sango Fighter, bref, le versus fighting et le beat'em all chinois KPDP type Royaume Combattant ou Trois Royaumes, on pourrait donc les comparer entre eux, ou encore les comparer à Tenshiho Kurao, Suiko Embu Funsaiki, Dynasty Warrior, Suikoden, folklore et histoire chinoise traitées par le jeu vidéo japonais. La comparaison serait certainement riche de nuances, pour qui aurait la culture suffisante à l'exercice, ce qui n'est pas mon cas. Ou bien pour aller dans une expression nationaliste manifeste, on pourrait aussi s'arrêter sur Hong Kong 97, jeu japonais qui semble être une blague, ou pas, qui décrit en tout cas quelque chose, même s'il a pu dire que Taïwan c'était l'anarchie, on part ici du principe que Jackie Chan haïrait la Chine continentale, Bruce Lee également, repris à contre-emploi par un développeur japonais pour aller casser du chinois, des fucking Reds, c'est le pan comique de l'ultranationalisme qui, à des degrés divers, existe en jeu vidéo. On exprime ici à la fois l'influence de Jackie Chan et la haine des chinois communistes. Ce jeu japonais porte peut-être sans filtre une certaine idée des rapports Chine-Japon, obsession en boucle telle la musique du jeu. Soit dit en passant, l'influence de Jackie Chan, c'est aussi le jeu Fist of Fire, jeu japonais produit par lui-même, avec trois personnages de Jackie Chan différents, digitalisés, et sa signature à la fin du générique. Jackie Chan, qui inspire également le flyer de Gang War en 1989, et figure de l'antidrogue en Chine qui traverse le temps, visible en arcade chinoise en 2018. Bref. Qu'un personnage pratique son art martial local ou un art étranger, nationalité et discipline ont toujours un poids symbolique. Bruce Lee veut dire la force des arts martiaux chinois seul contre tous,
Jet Li utilise un art japonais dans une école chinoise, tensions liées à la souveraineté nationale, orgueil et démonstration de force face à l'agresseur militaire mieux équipé, etc. Parfois un pays fait aussi lui-même sa caricature, édicte ce qu'il aime de son histoire, et rejette ce qui lui déplaît jusqu'à ce qu'il y ait prescription. Rares sont les gouvernements à exacerber l'autocritique comme vertu ou outil d'émancipation de l'humanité. Le jeu de combat chinois ou japonais raconte donc le rêve chinois ou japonais, l'épinal dans toute sa laideur. Et c'est évidemment très intéressant quand on parle non plus de l'autre, mais d'abord de soi-même. On pourra montrer sûrement des Occidentaux qui commencent à apparaître dans le Japon du Bakumatsu de Last Blade, mais on sera sûrement plus réservé s'agissant d'illustrer l'armée japonaise ou la présence militaire japonaise à l'étranger, en Asie, au XXe siècle par exemple. Le premier cas place le Japon en victime, le second en agresseur. Je pense que le choix est vite fait. Les décors mêlant notamment des personnages de divers pays aux rapports complexes entre eux donnent en général peu dans l'autocritique, il me semble. Le jeu de combat est peut-être néocolonialiste dans sa façon de ne pas détromper les préconçus, d'abonder vers le cliché misogyne, raciste, etc. Mais c'est surtout une représentation réactionnaire. Il n'est peut-être pas anodin que les cas de misogynie justement y percent, dans la communauté e-sport par exemple, même si ce n'est pas une cause isolée, et que le jeu de combat s'insère dans un ensemble culturel du jeu vidéo, divertissement national, films d'action, etc. Le jeu de combat, c'est une sorte d'anthropologie inversée, un cirque, un freak show prétendu mondial. Un truc bête qui décrit assez une vision du monde japonaise bipolaire États-Unis-Japon, c'est que souvent les personnages asiatiques parlent japonais. Chun-Li, Shang-Hua, Pai. Les autres personnages parlent anglais, comme le français Lion Rafale dans Virtua Fighter. Bref, on utilise rarement la vraie langue des personnages. Strider, par exemple, prend moins de pincettes. L'ennemi communiste est explicite. Le chinois est parlé, comme le russe, par les ennemis, face au héros qui répond en japonais. Mais de manière générale, en jeu vidéo, on prive plutôt les personnages de leur langue natale. Un autre effet, je pense, d'affaiblissement des personnages et pays secondaires, c'est la nature de doublons ou de jumeaux. Star Gladiator 2, avec Saturn Dyers et Prince, au visage peu différencié. Jumelles russes de Kenju, jumeaux chinois de Tao Daido, Street Fighter 3, Fatal Fury Reboot, Daraku Tenshi, Bloody Roar, ou de Skies of Arcadia, hors du jeu de combat, dont l'un s'appellera Mao en plus. C'est aussi un motif que le cinéma chinois nationaliste utilise du reste, si j'en crois la VF du boxeur manchot par exemple, avec des méchants étrangers et notamment deux Thaïlandais au nom très proche. Les boxeurs de Thaïlande, Nichai et Nitsan. Le Japon n'a évidemment pas le monopole du racisme facile. Bref, les jumeaux alimentent vite une représentation raciste répandue. C'est le fameux « les Chinois ou les Coréens, ils se ressemblent tous », motif du jumeau bien plus rarement utilisé pour des personnages américains par exemple ou japonais, en jeu de combat nippon. À l'instar de la ribambelle de Roba, où les japonais Hachi et Hacha, au prénom comique façon Dupont et Dupont, font du judo. Mao et Jiao, Hachi et Hacha, Shanghai et Shonsu, Lei et Lou, Lin Lin, Lei Lei, Yuran, Yuren, garçons et filles confondus peut-être dévirilisants en jeu de combat, dans tous les cas, il y a là un modèle répété qui n'est à mes yeux pas anodin. Dans la série Tonkotsu Ramen évoquée en vitesse au début de cette vidéo, un tueur chinois, Lin Xiangmei, que l'on croit d'abord taïwanais, s'habille en fille. Il dit juste qu'il aime ça, et on s'en servira pour des situations cocasses, rattrapé par le héros dans le train par exemple, scène type entre garçons et filles d'habitude. Sa sœur s'appelle Xiaomei, jolie, petite. Le poignard chinois du héros est plutôt limité face au long sabre japonais et au masque folklorique du second héros, bien plus fort. C'est un peu le paternalisme amical du conte Zegaibo qui se rejoue ici, avec toujours un rapport sexué à la Chine. Dans le Japon qu'on nous présente ici, la mafia chinoise mène plutôt la danse. Les chefs ont nom Zhang, Wang, Li. On évoque peu les Yakuza, je crois. Le héros japonais sauve la vie au héros chinois et lui fait la morale, fait la leçon. Ses conseils lui servent. C'est un senpai que le héros chinois refuse, auquel il résiste, pour finalement se rendre à l'évidence,
L'inféodation est effectivement justifiée, le japonais est plus fort. Paternalisme du héros japonais solide, fédérateur, référence à Hattori Hanzo, héros populaire japonais, à Spike de Cowboy Bebop, ou à Golgo 13, entre autres personnages de bande dessinée ou dessins animés, séries télé populaires, Cool Japan Saxo Sexy, on joue sur le côté obscur du pays le plus safe au monde, et, ici et là, on met en avant la cuisine japonaise avec explications culinaires, Matsuri, festival expliqué Itu, comme autant de hanami vêtus en yukata de séries animées, festival auquel le héros participe chaque année, c'est sa récompense, un moment unique à ses yeux, héros également fou de baseball, dont l'identité secrète est un masque traditionnel local et qui utilise un sabre face aux armes à feu, Mitsurugi versus Tanegashima, démonstration de force et d'identité qui a, semble-t-il, encore du sens pour le public japonais. Bref, il est la double face du Cool Japan, du Japon tout court. Le héros chinois met le héros japonais en situation compliquée, qui doit abandonner le festival qu'il adore pour sauver ce dernier, laissé seul sans défense. C'est triste, nous dit-on, et pas besoin de vouloir arriver au niveau du héros japonais. Une fillette dira au héros chinois d'être lui-même, discours type infériorisant, héros chinois qui n'exprime pas ses sentiments face à héros japonais expansif, là où pourtant le reste de la production japonaise présente le personnage chinois comme expansif et grossier, face à un japonais réservé, au comportement plus correct, bref, tout est possible. On pourra aussi entendre, il peut pas être honnête juste une fois, s'agissant du héros chinois. Dans cette série, il y a du classique, le héros Sangoku, cool, qui a son Vegeta, et à l'instar de ce dernier qui finalement appréciera la Terre, la force du shonen reste de rallier ses ennemis à une vision locale. On peut parier que le héros dira « Okaeri » aux Chinois, « Bienvenue à la maison » après ce voyage pour se trouver lui-même, apaisement et amitié trouvés au Japon, bien évidemment. Effectivement, le héros chinois le dira « J'aime cette ville », il défendra le Japon. Dans Yuri on Ice aussi, le rapport Japon-étranger devient presque amoureux. La faiblesse y est même plutôt du côté japonais, même si au final, c'est le maillon fort, celui qui surprend, qui progresse, etc. On peut trouver qu'il y a une certaine ouverture dans tout cela, avec des personnages centraux chinois ou russes, certes toujours accompagnés d'un héros japonais. Pas sûr que la production télé américaine ou française, bien plus auto-centrée, en soit capable aujourd'hui. Assez vite, dans Tankotsu Ramen, on trouve aussi un personnage russe massif, Ivanov, comme dans Durara, un héros chinois pauvre vêtu en femme, avec sœur et mère pauvre, toute une vision de la Chine féminisée, mais aussi série étonnante où l'on suit un héros chinois vengeant sa sœur, vendu comme esclave, violé, assassiné. Certes, il est lui-même habillé en femme, il y a toujours un complexe sexué avec la Chine, mais c'est aussi une histoire d'amitié Chine-Japon, malgré les automatismes et clichés. Le chinois qui semble être une femme, que l'on habillera en femme, frappé d'un drame personnel autour de sa mère ou sa sœur, en 2018, on le retrouve aussi dans la série Banana Fish, adaptée d'une bande dessinée des années 80 et 90, comme quoi les stéréotypes résistent assez bien au temps qui passe, et ce type de représentation s'alimente sans doute vite au détail, ici et là. Otaru du jeu Mark of the Wolves, japonaise pratiquant un art martial chinois, fillette mignonne à couette et uniforme chinois, dispose par exemple d'attaques spéciales à la conclusion assez suggestive, et je suis pas le seul à avoir cette impression. Bref, Chine comme sujet féminin et sexué encore, je reviens à Tonkotsu Ramen. L'opening s'appelle Stray, comme dans Wolf's Rain par exemple, pour parler de personnages marginaux, bad boy, tueur, attachant, malgré un univers d'employés de bureau, open space, etc. Nourriture japonaise meilleure du monde, valeurs japonaises de dignité, on accepte les étrangers avec certes paternalisme et une place à part, passage à tabac d'étrangers, mort des personnages relativement souples à la Game of Thrones, également surnom du héros chinois Lin Lin, si de ce que j'ai compris ces doubles prénoms ont en Chine valeur de surnom type Fredo, Pierrot, etc., leur forte présence en production japonaise pour les personnages chinois me laisse le soupçon de l'infantilisation, comme Min Min de Virtual Ryu no Ken, les jumeaux au nom proche Mao Jiao, Lei Lei et Lin Lin, jumelles de Darkstalker. À la décharge de la production nippone, la production chinoise peut elle-même recourir au cliché des personnages jumeaux chinois. Évidemment, dans ce cas, pourquoi se priver de le faire au Japon ? Jinpa ! Jinpa !
Oh, your colleagues, eh? We do everything together, that's right, that's everything. Côté cliché, la série donne aussi dans le ballon rouge, telle une lanterne de festival mortuaire peut-être, ballon rouge que l'on trouve aussi dans Ip Man 3 ou Kuro Obi, présage qui passe les frontières, que j'aimerais comprendre un peu mieux, et enfin, comme on l'a vu dans la partie animation, on trouve aussi des dettes autour desquelles tout le récit travaille, comme dans Blackjack, The Good Life, Cowboy Bebop, Tobaku Mokushiroku Kaiji, etc. Bref, il s'agit d'une série classique en somme, mais qui creuse un rapport avec la Chine plus original que dans bien d'autres productions. Maintenant, j'en reviens aux jeux vidéo. Chez Capcom, Power Stone avec femme japonaise, chinois masculin et héros anglais bouscule peut-être un peu le postulat Street Fighter 2. Les archétypes restent, mais sont un peu redispatchés en termes de nationalité. Cependant, c'est peut-être hors du développeur Capcom qu'il faut chercher les expressions d'inspiration Street Fighterienne, les plus éloignées dans le discours éventuel, et les plus favorables à la culture chinoise en l'occurrence. Si l'empreinte à Street Fighter 2 en archétype, Virtua Fighter s'approche du réalisme froid d'un simulateur de style martial, dans la lignée de jeux comme Budokan, Karate Champ, voire Karateka et Savaki, après coup, là où Street Fighter 2 joue plus largement sur l'individu, l'excentricité. Akira emprunte à Ryu, Jackie à Ken, Pai façon Chun-Li et Sarah simulacre de Kami sont assez peu originaux certes, mais les gestes du héros nippon Akira sont inspirés du Baji Chuan, boxe chinoise, et le jeu comporte beaucoup d'autres personnages chinois ou de style martiaux chinois. Dixit Wikipédia, je vois 5 arts martiaux japonais et 7 styles chinois, en comptant le Jeet Kune Do, certes, ça se discute. Mais en tout cas, le geste chinois est ici à l'honneur, avec Fei Lei, Ai Lin, Lao, le père de Pai, comme les frères et sœurs Sarah et Jackie, CF Jackie Chan encore, successeur de Bruce Lee, pour deux personnages pratiquant de Jeet Kune Do, art martial créé par Bruce Lee. A l'instar de Soul Age, Soul Calibur ou Tekken, les étrangers peuvent ici avoir une famille sans devoir passer par la case jumeaux. Les Japonais, eux, restent ici personnages d'exception. Après, évidemment, plusieurs personnages d'une même nationalité, cela renforce-t-il leur expression nationale ou cela amoindrit-il leur caractère d'exception? Ça se discute. Akira au geste chinois est-il symbole amical, expression d'une racine culturelle chinoise du Japon, ou bien effet d'appropriation coloniale? Tout ça se discute aussi. De même, on peut trouver pour les personnages féminins de Pai ou Sarah que leurs frères ou leurs pères sont là pour soutenir des personnages féminins qu'on n'a pas osé laisser seuls, autonomes, vision donc relativement misogyne, à l'inverse de ce qu'on aura su faire après avec le personnage Aoi, la japonaise, ou Vanessa, Aileen, etc. Je me demande aussi si, en général, on affine l'archétype ou bien on s'en extirpe peu à peu au fil d'une franchise. Sauf série Street Fighter Zero peut-être, qui rajeunit les héros de Street Fighter, dans Street Fighter ou Virtua Fighter, les personnages changent assez peu entre les épisodes je crois, ce sont des points de repère pour les joueurs, avec le plaisir de les retrouver. Parfois on les fait vieillir, on leur rajoute des enfants, des petits frères, etc. Personnages plus jeunes permettant d'étoffer le line-up pour les nouveaux joueurs, sans perdre les anciens, mais de façon générale on les réécrit peu. La plupart des personnages gardent relativement le cap fixé au départ, il me semble. Leurs thèmes musicaux évoluent peut-être même plus. De même que les visages s'affinent, les clichés associés s'estompent-ils au profit de l'individu? Ça n'est pas sûr. Pour Pai, par exemple, le morceau de Virtua Fighter V présente encore des effets d'instrumentation folklorique clichés et un peu la même structure que celui de Virtua Fighter 2, peut-être. Mais ceux de Virtua Fighter 4 et Virtua Fighter 4 Evo sont plutôt électro et très différents, je crois, pour un sanctuaire chinois sous-marin original. Chine submergée et ou exotique avec poissons et tortues, effet sonore de sonar, vite rapporté au champ de la guerre pour localiser l'ennemi, ça a une logique en jeu de combat après tout, mais aussi en termes de rapport Chine-Japon bien sûr.
Shin sous-marine caché, invisible donc sonar, musique nommée Blue Impact, pas rouge pour une fois, registre militaire pas forcément très engageant au plan diplomatique, mais au moins ça change des sempiternelles musiques chinoises en gamme pentatonique avec guzheng aux cordes pincées ou haru, entre autres instruments typiques pour dire la Chine musicalement. Pour le personnage de Lao, la muraille de Chine, comme dans Virtua Fighter 3, reste austère, mais les décors japonais le sont également. L'austérité est ici une caractéristique de l'espace Virtua Fighter. Même à coup de FX, projecteurs, etc., les décors restent assez nature et plutôt tableau, un peu comme dans Soul Calibur, Soul Edge par exemple. En son temps, Virtua Fighter 3 avait une force d'image comparable à celle de Scud Race en arcade, 3D épatante. On pouvait avoir l'impression de jouer un film en images de synthèse, la phrase est du magazine Joypad, je crois, ou peut-être Megaforce. Virtua Fighter est précis, élégant de mouvement, mais pas assez spectaculaire en termes d'e-sport sans doute, et qui sait, peut-être aussi trop chinois dans sa composition pour un public nippon ou occidental. Un peu comme Z de Costa Gavras évoqué ailleurs, on part d'un matériau gestuel très précis et étudié, qui fait que malgré le cliché, on le dépasse largement, on interroge une réalité, et plutôt je pense ici avec bienveillance et affection pour la culture chinoise. Le personnage de Lao Chan est, dixit Wikipédia, d'apparence froide mais de nature aimable, c'est un grand chef en cuisine qui aime la poésie chinoise. Il vient de la Chine du Nord, de Shandong, grand berceau martial, notamment du style dit de la menthe religieuse, pratiqué par le personnage Lion dans Virtua Fighter. Le personnage Shen Di, herboriste chinois, vient également du nord de la Chine, où les arts martiaux chinois musulmans ont compté, et on trouve peut-être des costumes allusion à des minorités chinoises ici et là. Dans les images prévisionnelles de Shenmue, l'héroïne Shen Hua porte aussi des costumes traditionnels originaux divers. Pour Virtua Fighter, j'aurais pensé bêtement une allusion aux Ouïghours, même si géographiquement c'est très loin à l'ouest, mais surtout ça ne semble pas coller. Malheureusement étant néophyte, je ne saurais dire à quelle ethnie exacte on fait ici allusion en termes de costume, si c'est l'idée. Shandong, Hubei, Hebei, Fengdeng, Chanzhou, Fujian, Guangdong sont autant de villes et régions d'invention martiale logiquement présentes en jeu de combat. On pourrait donc imaginer que le costume aille en conséquence, surtout pour Virtua Fighter qui joue assez la carte du traditionalisme en décor, costume et gestes. De son côté, le geste de Street Fighter 2 a parfois peu d'origine identifiable. Chez Sagat, on distingue la boxe thaïlandaise, chez Honda, un peu de sumo, un peu. Avec Balrog, il y a la boxe anglaise, mais c'est vite assez libre. Zangief tient plus du catch que du sambo indiqué. Chez Ryu, hors Kakatogeri et Ushiro Mawashigeri, ici peu orthodoxe d'ailleurs, déséquilibré, pas évident de sentir le karaté Shotokan entre les jabs et uppercuts. Pas plus de boxe chinoise chez Chun-Li, quant à Dalsim, Blanca, Bison, bon, c'est très très libre. Là où, dans Virtua Fighter, le geste est toujours porteur de culture manifeste. Traditionnelle chinoise d'abord donc, Baji Chuan, Wing Chun, boxe de la menthe religieuse, Shaolin, boxe du singe, boxe Jue Chuan de l'homme ivre, même Jeet Kune Do donc, système moderne à base très chinoise, le tout agrémenté de catch, aiki jujutsu, judo, karaté, boxe thaï, self-défense, pancras, ninjutsu pratiqué par des japonais, mais aussi italiens, français, anglais, australiens, etc. Bref, des gestes attachés à des histoires, et ça fait une différence fondamentale. D'un côté, des gestes pleins d'abstraction qui s'opposent dans Street Fighter, et un dialogue culturel de fond dans Virtua Fighter, jeu de combat intello, dira-t-on, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on l'a enterré. Si je comprends l'engouement produit par Street Fighter 2, je m'explique assez mal l'oubli de la franchise Virtua Fighter, proposant un monde de gestes inimaginables en jeu de combat de 1993 après Street Fighter 2, un 60 images secondes en 3D temps réel ouvrant le champ des idées, avec saisie, contre, esquive, système riche, d'aucuns diraient profond. Bref, la désaffection de ces objets plastiquement exceptionnels, encore aujourd'hui, m'échappe complètement. Avec Street Fighter 2, on sait que l'on joue, manifestement, mais devant Virtua Fighter 2, on peut avoir par instant l'impression d'un ballet, d'une conférence gesticulée, démonstration en festival d'arts martiaux qui pourrait attirer l'œil d'un public non-joueur notamment, même s'il y a loin du simulateur à Virtua Fighter avec ses frappes au rebond, en mid-air, etc.
Évidemment, ça reste un jeu très arcade. Certes, avant Street Fighter 2, nombre de jeux tentent la simulation au geste martial canonique, et Street Fighter 2 tranchera d'un geste bien plus libre, plus piquant, qui marque sa distance à la simulation et qui, par nombre de ses gestes propres, deviendra lui-même canonique et fera école. C'est aussi là une réussite stylistique exceptionnelle qu'il faut considérer. Le personnage de Ryu est inspiré du coréen Masutatsu Oyama et affiche une devise de Sun Tzu. On peut trouver ça ouvert au monde, mais Oyama est une icône au Japon et Sun Tzu est sans doute étudié dans toutes les écoles de commerce du monde, rien que de très consensuel pour les Japonais donc. Là où Virtua Fighter 2, c'est un héros nippon sans karaté, mais boxe chinoise, dont le décor est la ville de Changzhou, au Lion de Fer, et c'est déjà plus exigeant, je pense, en termes d'imaginaire, que le maître de karaté solitaire solennel pour un public japonais ou occidental. Il y a des décors forts d'Épinal, certes, Guilin, Grande Muraille, Temple, mais que je ressens pourtant encore moins clichés que ceux de Street Fighter 2 par exemple, plus exigeants avec le Lion de Fer, les stupas de Deng Feng, etc., au même titre que les gestes des personnages, y sont plus riches de culture. Après, je le redis, on peut aussi lire Virtua Fighter comme de la réappropriation culturelle japonaise. Akira, héros japonais, dont le grand-père a appris la boxe chinoise alors que l'armée japonaise perfectionnait ses techniques d'attaque pendant la Seconde Guerre mondiale, dixit Wikipédia. Ici, l'histoire du personnage met véritablement les pieds dans le plat, dans le linteau du jeu de combat. Seconde Guerre mondiale sans détour et art martial chinois comme source, guerre et pillage culturel comme point de départ assumé, réappropriation culturelle donc ou hommage, avec un héros japonais au style chinois, ce qui est plutôt rare, et un line-up très orienté boxe chinoise. Personnellement, je pencherai plutôt pour l'hommage, notamment au regard de Shenmue, sur lequel je vais m'attarder. Dans le jeu d'aventure et de balade Shenmue, résultat spirituel du jeu de combat Virtua Fighter, l'un des premiers personnages chinois à rencontrer dit au héros « Vous savez, tous les Chinois ne sont pas mauvais. » Et qui sait, ça n'est peut-être pas une évidence pour tout le public nippon. La différence clé, je crois, entre Street Fighter 2 et Virtua Fighter, c'est effectivement le poids culturel. Geste chinois étayé dans Virtua Fighter, archétype plus varié, avec Pai, une héroïne moins fanservice, moins dénudée, ou dans Shenmue, Shenhua, héroïne paysanne, ne portant pas de chipao ou de chignon. Street Fighter 2 décrit un monde voulu bipolaire américano-japonais. Virtua Fighter parle plutôt de rapport Chine-Japon, et la différence, je crois, c'est que le créateur du jeu, Yu Suzuki, aime la Chine. Non pas en colonial, mais de façon courtoise, avec un véritable intérêt pour le pays. Chun-Li est icône sexuelle, jambes nues, jupes fendues, grenier de guerre. Pai, de son côté, est chastement couverte, peu érotisée, et elle pratique véritablement une boxe chinoise. Mais surtout, ça n'est pas la seule du line-up à le faire. Si on ne peut éviter les références aux icônes, Ryu, Ken, Guile et Chun-Li, on peut néanmoins les surmonter, et c'est ce que fait Virtua Fighter à mes yeux. Le personnage chinois Lao Chan, devenu Lan Di, est le moteur même de l'intrigue de Shenmue, jeu voulu power-seller de la Dreamcast. Certes, c'est ici le méchant, mais la Chine est tout au cœur de Shenmue et de Virtua Fighter, pour lequel les animateurs se sont entraînés au Kung-Fu, et Yu Suzuki, parti en Chine, y a rencontré un maître chinois, Wu Lianze, qui servira de référence à l'animation, et le rencontre encore pendant la production de Shenmue 3. Tout cela compte, je crois. Un voyage en Chine enthousiasmant au point d'aboutir à un jeu d'aventure au long cours en partant d'un jeu de combat, ça tient peut-être juste à ça, un voyage, une rencontre réelle et non pas juste du fantasme. Si on trouve dans Shenmue des ennemis chinois et américains, ils ont aussi souvent un contrepoint gentil. Lan Di a évidemment l'héroïne Shenhua, le méchant Terry de Shenmue 1 a aussi Tom, le grand ami du héros, ambivalence américaine classique dans le jeu japonais, mais que l'on voit très rarement concernant la Chine comme ici. D'habitude, le rival américain suffit. Le quatrième CD de Shenmue 2 est aussi, à mes yeux, une déclaration ouverte d'amour à la Chine. Encore une fois, parti d'un jeu de combat, genre aux facilités plutôt réactionnaires, on aboutit ici à un jeu ouvert sur la Chine, avec un créateur aimant la Chine. Shenmue transpire donc cette sensibilité. Dans ce quatrième disque, la rencontre de l'héroïne chinoise prophétisée se fait juste après la reprise du thème « Méditation » du premier opus, sur un chemin ensoleillé, puis, dans la pluie,
brutalité ou érotisme autour d'un cerf blanc, emblème divin du village, de l'héroïne comme elle l'explique, cette rencontre est le début d'une phase unique du jeu, au long dialogue continu, partiellement arborescent, dans un contexte contemplatif, la simple marche et balade des corps, pour une fois sans la course. Bref, une nouvelle couleur au jeu, un nouveau rythme, nouvelle pratique et densité de l'espace, des quick time events plaisir, sans gravité, une nouvelle voix avec une chanson. En somme, une nouvelle physionomie, un tandem serein et non pas forcé, comme peu de temps avant avec Ren, un côté yin et yang pour faire simpler, Shenhua, femme magique de RPG ou heroic fantasy, support et clé du mystère sûrement comme dans Ico, sorti peu après Shenmue 2, aussi ici atout spirituel, Shenhua c'est la Chine des racines qui enseigne au Japon. Yu Suzuki est allé en Chine présenter ce projet, et Shenmue est une marque d'entente possible, un exemple de communication cordiale sur un pied d'égalité. Ça n'empêche évidemment pas les guerres, mais distiller la bonne entente, c'est déjà ça. Certes, ce personnage chinois central, Shenhua, est paysanne face à un héros citadin, et le genre compte aussi beaucoup en géopolitique, mais elle est ici en position de force, chez elle, elle connaît tout, sagesse rurale qui est une force dans la vision écologique du jeu vidéo japonais, elle guide le héros, lui explique tout, lui dit de ne pas tendre sa main dans l'herbe, au risque de confondre les yeux d'un serpent avec des lucioles. Elle lui indique de ne pas prendre de bois mouillé pour le feu, d'aller le chercher plus loin dans la grotte. Elle est source de savoir, d'idées, de direction et de but, racine structurante, leitmotiv du jeu. La parabole avec la Chine est possible, comme source linguistique du Japon. Cette rencontre est un long échange culturel. Point d'orgue lunaire étonnant pour un jeu d'aventure action et plutôt rare dans le champ du jeu vidéo, qui plus est voulu blockbuster, grand produit industriel, bref, tout n'est pas à désespérer, l'humanité en partage peut aussi surgir un peu partout. Si on peut y trouver une certaine misogynie ordinaire japonaise, je ne crois pas ici qu'elle relève de condescendance à l'égard de la Chine, et on peut aussi trouver le dialogue très équilibré, voire à l'avantage de l'héroïne chinoise, en situation de force, personnage moteur. Le Japon passe à l'arrière-plan du propos, il est petit et lointain, dit le héros. Comme évoqué précédemment, le premier nom que les Chinois donnèrent au Japon, Wa, a été mal déchiffré et perçu par les Japonais comme une insulte, signifiant le nain, et qu'un personnage japonais dise cela à un personnage chinois, ça n'est pas rien, il me semble. Ryo, le héros, dit aussi qu'au contraire de la Chine, les lucioles sont devenues rares au Japon, tel Pasolini décrivant leur disparition comme phénomène industriel. Certes, on peut lire Shenmue comme voyage impérialiste nippon, mais c'est aussi une porte sur la Chine, et lorsque les fans chinois du jeu font un cadeau à Yu Suzuki, ou font une donation de livres à une école précaire de Guilin, où commencera Shenmue 3, je pense que ça n'est pas pour rien. Bref, à mes yeux, tout est hymne à l'amour, dans une rencontre bienveillante, platonique en l'état, mais ce destin croisé annoncé, amoureux ou pas, est un appel à la Chine positif. Certes, on n'ose pas aller jusqu'à renverser la vapeur avec une héroïne japonaise et un héros chinois, c'est encore trop demandé aux jeux japonais d'aventure peut-être, mais le fond est quand même différent du modèle Street Fighter 2. L'amitié entre Ryu et Ken, ou Liu et Tom dans Shenmue, se comprend aussi avec les gestes. Gestes communs, Tatsumaki, Shoryuken de Street Fighter, ou Tornado Kick pour Shenmue, partagés par Ryu et Tom pour relier les êtres par le geste et par le corps. Mais il s'agit entre États-Unis et Japon d'une guerre économique, de conquête du marché américain par le Japon. Cette amitié illustrée présente donc assez peu de risques, alors qu'entre Chine et Japon, le contentieux est quand même beaucoup plus vif, même si les liens sont aussi très forts et le passé vite agité pour des intérêts économiques. Avec les États-Unis, la défaite japonaise est sans doute moins utile à agiter d'un côté ou de l'autre, et les effets de la guerre contre le Japon n'ont pas été les mêmes qu'en Chine. Il y a certes plein de pistes de futurs conflits mondiaux, manque d'eau potable du Pakistan frontalier avec l'Inde, deux puissances nucléaires en très mauvais termes, Israël et Palestine, etc. Mais Chine et Japon sont assez bons candidats du feu aux poudres. Avec les îles Senkaku ou Diaoyu, revendiquées par les deux pays, des intérêts économiques croisés, ressources continentales pour le Japon, qu'importe le casus belli, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Bref, les tensions sont là, de longue date, et toutes les volontés de dialogue sont à mes yeux bienvenues. Eh bien, Virtua Fighter et Shenmue sont, je crois, des signes de bonne volonté, même si tous les clichés ne sont pas évités. Là où, pour moi, Street Fighter 2 s'inscrit plutôt dans la tradition historique du sel sur le feu, des rapports Chine-Japon difficiles. Après tout, quoi de plus naturel pour un jeu de combat que les sentiments belliqueux, me dira-t-on. C'est bien en cela que, pour moi, Virtua Fighter mérite largement que chaque opus en soit déposé au Smithsonian. In fine, c'est un jeu de combat du dialogue et non pas de l'héristique. Une certaine bienveillance de fond le fait dépasser la facilité de son genre. C'est sur le fond qu'il s'agit d'un jeu révolutionnaire, plus que dans la 3D et la technique à l'époque. Jeu technique forçant l'apprentissage, mais aussi jeu respectueux du matériau culturel chinois, sans simili Bruce Lee, icône vendeuse et facile. Street Fighter 2 ou Shinobi porte une vision nippono-centrée du monde, mais Virtua Fighter est bien plus diplomate. Virtua Fighter hérite beaucoup de Street Fighter 2, mais il en dévie un peu, et Shenmue suit cette réorientation. Street Fighter 2, parangon du jeu de combat, voit ou fantasme le monde en une représentation conservatrice ou consensuelle. Virtua Fighter l'idéalise et donne plutôt dans la solution d'avenir, avec une certaine équité entre Chine et Japon. Bref, pour moi, il s'agit d'un jeu de combat de la détente géopolitique, tristement rare dans les tournois. Après, pour tenter encore une contre-lecture, on notera que Pai de Virtua Fighter a comme Chun-Li un double chignon, que c'est aussi une fille d'eux, comme on le verra pour Chun-Li, que dans la série des CG Portraits vendus à côté des jeux, elle est ultra érotisée, comme c'est aussi le cas de l'autre héroïne du jeu, Sarah, avec scène de bain, douche, etc. Pur fanservice. Mais lors de son caméo dans Dead or Alive, la page Wikipédia indique quand même un personnage bien moins érotisé que les autres femmes du jeu, du fait d'un jeu d'origine à la représentation des femmes moins provocatrice. Et les disques Virtua Fighter CG Portraits, qui étaient une belle arnaque, avaient tout de même d'intéressant une inscription dans le réel, avec des personnages incrustés sur les photos, des recherches, peut-être le lac de l'ouest de Hanju pour Lao Chan, qu'on voit aussi faire son marché et cuisiner, Akira qui arrive à Changzhou, expliquant la statue du lion de fer de son décor, puis méditant devant les stupas de Deng Feng, sans doute, berceau martial célèbre notamment pour ses moines Shaolin, Akira parti en Chine apprendre le Baji Chuan, dans lequel on voit clairement Shenmue en filigrane à venir. Pour critiquer aussi le fond de Shenmue, on pourra dire que l'enjeu initiatique y est peu original, JRPG avec vengeance et dépassement de la colère. C'est sans doute par l'héroïne chinoise aussi que le héros se trouvera, j'imagine. Souvenir goutte à goutte du studio Ghibli croisé à la fureur de vaincre de Bruce Lee. Bref, on a vu plus original. Mais on découvre aussi le passé du père du héros que l'on veut venger. Au fil du jeu, on peut même commencer à douter de lui, se demander ce qu'il a fait en Chine pour se faire tuer par un chinois. Ça, c'est un peu plus rare. Et cet ennemi chinois est un homme seul, ce n'est pas un pays entier. Au contraire, ici, le pays du jeu, on l'habite et on l'accepte. C'est à la fois le Japon et la Chine. À Hong Kong, Ryo nettoiera la bibliothèque de sa professeure, Xu Ying, et sera autorisé à consulter un ancien ouvrage chinois. Il y a quelque chose ici de la réparation, plus que du pillage culturel. Entre le héros japonais Ryo et sa professeure chinoise Xu Ying, le contact est difficile, mais on sait s'écouter, et le maître est ici une jeune femme chinoise, en Chipao certes, mais plus forte et sage que le héros japonais. À l'occasion, c'est donc assez progressiste dans les représentations. Ici, faire jour après jour respirer des livres, c'est l'antipode d'un auto-da-fé, et effectivement, Shenmue 2 va vers l'apaisement, après le crescendo du disque 3, après Hong Kong libéral, transitoire entre Japon et Chine, la véritable Chine continentale, c'est le repos, la douceur, la contemplation, le temps, la pensée libre, un merveilleux moment du jeu vidéo si on a connu tout ça à l'époque, et je le redis, un éventuel début de détente géopolitique, plutôt à l'inverse de Chun-Li à mes yeux, ou même de Yi-Ar Kung-Fu, qui propose déjà chinoise en Chipao, mais où le volume d'autres personnages chinois est tout de même très important. Du coup, je me demande au fond qui est Chun-Li, qu'est-ce que Chun-Li, icône du versus fighting. Li comme Bruce Lee, Shun comme Wing Chun, kung-fu populaire légendairement créé par une femme. Chun-Li est un personnage peut-être aussi référence à Hua Mulan, source des héroïnes hongkongaises type Hirondelle d'or, Hua pour fleur, Chun-Li pour joli printemps, joli et printemps,
jeunesse, éclosion des sens, ruban blanc, chignon chinois type, iconographie vite érotisée. Je n'ai pas pensé à demander aux joueurs rencontrés en Chine si le caractère sexy de Chun-Li était d'après eux plutôt flatteur ou mal reçu et méprisant pour le public chinois, mais au Japon, ce registre de la chinoise érotisée existe évidemment. Chun-Li, itération hommage du long courant filmique hongkongais du film d'héroïne, Seul contre tous, c'est aussi une lecture possible. Mais la différence fondamentale, c'est que dans ces films, l'héroïne est le point central de l'œuvre, alors que Chun-Li n'est pas héroïne de Street Fighter 2. Née en 1968, en Chine post-révolution culturelle de 66, où Mao, après divers mouvements, reprend le pouvoir total, en gros, Chun-Li peut aussi être hommage à Lin Zhao, exécuté en 68 après la campagne des 100 fleurs, ou encore à Zhang Jixing, héroïne contestataire chinoise emprisonnée en 1969. Chun-Li est peut-être aussi une simple variation sur les méchantes triplettes chinoises de Strider. Au fond, sa seule originalité est certainement d'être une femme jouable au rang des autres personnages, le reste est aussi cliché que pour les autres. Chun-Li, allusion au cinéma d'héroïnes hongkongais défendant les femmes contre les hommes et ou vengeant sa famille, avec des films comme Golden Swallow, Sword of Emei, Wang Dong Héroïne, courant massif fut un temps du cinéma kung-fu, bref, Chun-Li, héroïne de Wuxiapian, c'est une possibilité. De même, le personnage Lei Lei, qui est un Jiangshe ou Qianchi, un monstre chinois ou nippon, peut faire allusion au cinéma kung-fu zombie, tout un genre en soi. L'exorciste chinois, Mr. Vampire 1, 2, 3, 4, ou Histoire de fantôme chinois de Tsui Hark pour le romantisme. Mais Lei Lei, c'est aussi le nom d'un double OAV porno sorti en 93, juste 2 ans avant la série Darkstalker, et le décolleté pigeonnant laisse à penser qu'il n'y a pas que la cinéphilie à l'œuvre ici, ça n'échappe d'ailleurs pas aux fans, de même avec Morrigan et Felicia pour la même franchise au sein quasi nu. Pour rester dans l'hypothèse dépréciative, misogyne, la piste sémantique du nom Chun-Li est peut-être envisageable. Le Shun de Chun-Li est la lecture On, sino-japonaise, du kanji Haru, dans sa lecture Kun strictement japonaise, pour le mot printemps. En chinois, on le prononcera un peu différemment, mais à la lecture, on comprendra bien joli printemps. Kanji du printemps que l'on retrouve dans des mots comme jeunesse, donc, mais aussi prostitution, Bai Shun, acheter le printemps, au sens acheter la jeunesse, ici j'imagine, et pornographie, Shunga, image du printemps. Le mot et kanji printemps n'est donc à tout le moins pas neutre par association linguistique de divers mots qu'il compose. À la différence du japonais, en chinois, de ce que j'ai compris, le hanze du printemps ne se retrouve pas dans des mots comme prostitution ou pornographie. Le second kanji de Chun-Li pour li en chinois se lit rei en japonais. La chinoise Lei Lei de Darkstalker n'est donc déjà pas loin. L'OAV érotique Lei Lei non plus peut-être. Chun-Li en collant et Chipao dans une rue commerçante visiblement très populaire, peu luxueuse, joli printemps donc, ça pourrait être un choix de nom assez significatif d'un atout charme et ou colonial pour un public locuteur japonais. De même, sa robe Chipao, plus d'une fois apanage des femmes de quartier rose en décor de jeux de combat notamment, m'interroge. En cinéma kung-fu classique, l'héroïne est plutôt chaste, le corps couvert, et elle résiste aux hommes, elle se déguise en homme pour avoir la paix et la légitimité, souvent même. Chun-Li, elle, est robe fendue, jambes nues, pensée comme objet de désir, il me semble, plutôt. Je l'ai déjà dit, j'y vois quelque chose d'un grenier de guerre, chinois pour le Japon. Le simple fait que ce personnage féminin soit chinois a, je crois, un poids diplomatique. Dans le film La Légende de Chun-Li, c'est une occidentale qui la joue. On parle mandarin à Hong Kong, son père est chinois, sa mère occidentale, on n'en sait pas plus. Et Chun-Li débride peu à peu en grandissant. Difficile d'assumer et de vendre une héroïne chinoise à l'international, sans doute, pour un film occidental, d'autant que le personnage de Chun-Li est à mes yeux assez trouble. Il a sans doute eu fonction d'appel érotique, de séduction du joueur, peut-être Capcom a-t-il été un peu dépassé par sa notoriété aussi, je crois qu'on l'a désérotisé en partie au fil du temps, par endroits, notamment dans ce film, et qu'on perpétue sa fonction classique d'objet sexuel par ailleurs, dans Street Fighter 4 par exemple, c'est donc une icône à pôle multiple. Le film fait aussi allusion directe au cinéma d'héroïne chinois type Golden Swallow, via un médaillon totem de l'héroïne en hirondelle dorée, l'hirondelle d'or étant l'héroïne chinoise par excellence,
C'est ici aussi Cheng Peipei, actrice surnommée Reine du Wuxia Pian, du film de KPDP, et célèbre interprète d'Hirondelle d'Or, qui guide Chun-Li vers son destin de combattante. Bison agit ici sous couverture d'une compagnie nommée Esperanto, outil de haine et destruction, discours banal où toute tentative d'échange humain est inutile, où la seule bonne voie est éristique, Esperanto ou militantisme humanisme sont toujours éclairés d'horreurs souterraines. Bref, pour désérotiser un peu Chun-Li, sans léser le spectateur libidineux, on a déplacé la love interest avec Nash et la fille, avec aussi un peu de catfight, comme on dit, appellation pas sexiste du tout, quelques culottes, jarretières, etc., mais pas un seul téton, c'est évidemment la limite, vu que tout est plus ou moins passable, légal au Japon, sauf poils et tétons. Le film s'arrête donc à ce liseré. Frontière hypocrite ou efficace, ce qu'on ne montre pas, on en joue, on le stimule. Imaginaire à l'œuvre du joueur-spectateur dans un écran clean, quoi qu'il en soit, le modèle de Chun-Li, comme pour les autres personnages, a fait école au sein du jeu de combat, y compris au sein de la compagnie Capcom. Jun de Star Gladiator égale Chun-Li d'allure et d'histoire, avec un père tué par un grand méchant, vengeance. Jun est anglo-chinoise, pour ne pas dire hongkongaise, et ou de père et mère occidentaux et chinois, comme Chun-Li dans le film La Légende de Chun-Li. Vêtements floral ou fleurs égale jeunesse et érotisme diffus, comme Chun-Li joli printemps, toujours. Chignon chinois, la ressemblance va même jusque dans la pose des mains. Le personnage de Li Hua dans Kaiser Knuckle hérite aussi de Chun-Li. Décor de Chine théâtrale, nom de fleurs, Hua, plus Li, Chun-Li. Parmi tant d'autres, on trouve aussi Yang Mei Ling du jeu Force 5 avec ses couettes. De ce qu'on m'a dit, le prénom Mei est un composant de nom encore utilisé à Taïwan et Hong Kong. C'est un socle courant, mais en Chine, c'est plutôt pour l'ancienne génération, c'est connoté rural, un nom aujourd'hui rare en ville. Après, le jeu vidéo peut évidemment continuer de s'en servir longtemps, convoquant principalement la Chine d'Épinal arriérée, décorative, Chipao, etc. Ou encore plus lointain, la Chine mythologique, Jardin Céleste, Pêche de l'immortalité dans Vampire Savior, Marvel vs Capcom 2, etc. Quoi qu'il en soit, les noms Mei Ling, autre nom de Lin Lin, jumelle de Rei Rei dans Darkstalker, Mei, Mei Li, Xiao Mei, etc. ont encore devant eux de beaux jours, je pense. Bref, Mei, jolie, jolie petite fleur du printemps, le carcan des chinoises de jeux vidéo est tout ici. Même dans Shenmue, titre du jeu qui est le nom d'un arbre chinois ancestral, racine chinoise dans le titre donc, l'héroïne se nomme Shen Hua, fleur de l'arbre Shenmue. Bref, chinoise florale toujours, on n'en sort pas, avec tout ce que ça peut éventuellement porter d'imaginaire sexiste, raciste et ou paternaliste du point de vue japonais. Chun-Li, jeunesse printanière au cri de Yatta, manifestation de joie enfantine à la victoire, dixit Wikipédia, au papa mort, à la coiffe de double chignon réservée aux petites filles, m'a-t-on dit. Personnellement, en 2018 en Chine, j'ai vu une seule jeune femme adulte porter un double chignon, ultra minoritaire donc. Bref, Chun-Li, c'est l'enfant, l'infantilisé, comme la chinoise de Cowboy Bebop, la fille à couette au père disparu, sauvée par des étrangers bienveillants, c'est un motif récurrent. Le double chignon peut apparemment aussi être porté en accompagnement de costumes traditionnels, motif enfantin donc, ou simplement archaïque. La Chine est toujours montrée en retard. Bien sûr, il y a plusieurs façons de lire Chun-Li, comme personnage égal aux autres, en termes de moyens de jeu, mais aussi comme femme, personnage d'exception donc avantagée, pourquoi pas, ou encore comme chinoise à la coupe enfantine, dont l'histoire personnelle en fait la fille avant tout d'un homme important, vêtue d'une chipao fendue du passé, aujourd'hui glamour grâce à Wong Kar-wai entre autres, élégance mélancolique mais aussi motif érotique au Japon, dont Capcom continue de se fendre avec Ada Wong dans Resident Evil 4 par exemple. Et dans cette lecture, le personnage de Chun-Li serait désavantagé en tout. Arriéré par le vêtement, ne vivant pas dans la bonne époque, issu d'un pays représenté comme plutôt pauvre, personnage infantilisé et objet sexuel dans une association implicite lolicon, lolita complexe, terme japonais pour dire pédophilie. En tout cas, j'en ai déjà parlé dans une émission sur Shinobi. La Chine humble, rurale, ou la robe chipao du passé, fait partie de l'imaginaire érotique nippon. Au même titre que la soubrette étrangère, la maid, comme on dit, l'étudiante mineure collégienne, lycéenne, la bunny girl,
la binoclarde, la kyonyu, c'est-à-dire grosse poitrine, autant d'appellations type d'archétype hentai. Chun-Li dans Street Fighter 2, c'est aussi un décor, où l'on voit une poule en cage, l'autre prête à se faire égorger par ce que j'imagine être, à vue d'uniforme, un soldat ou officier chinois communiste, à moins qu'il ne s'agisse d'un officier japonais, la version Street Fighter 2 HD Remix ayant opté pour une étoile dorée et non rouge sur le béret, signal plutôt nippon, mais dans Street Fighter 2 je pencherai plutôt pour une figure d'autorité chinoise, vu la coupe du vêtement. Bref, une poule emprisonnée, l'autre approchant de sa fin par un officier tout sourire, et à l'arrière-plan, de la viande. Venant d'un jeu japonais, encore une fois, il y aurait plus apaisant diplomatiquement. Le panneau dit « Compagnie ou Société Alimentaire de Viande de Xiamen », Xiamen ou Amoy de son ancien nom, dans le Fujian, est une ville occupée en 1938 par le Japon, de la sphère de coprospérité. L'opération Amoy est un blocus visant à empêcher la Chine de communiquer avec l'extérieur, se ravitailler en armes, et le contrôle de l'île d'Amoy a permis au Japon un blocus entier de la région. Ce contexte irait plutôt aussi dans le sens d'une vision de la Chine grenier de guerre. Ce panneau est écrit dans une vieille formulation, m'a-t-on dit, années 20, années 30, ça pourrait donc coller comme époque et contexte implicite suggéré. De même que l'injonction « ne pas cracher », leçon de savoir-vivre peut-être, éventuellement paternaliste d'un jeu japonais, entre autres épinal du porteur d'eau et des vélos, Coca-Cola pénétrant le marché, évoqué dans l'émission précédente. En comparaison, les mots écrits dans les décors de Virtua Fighter, par exemple, sont souvent, je crois, plus purement indicatifs. Nom du dojo, nom du temple, panneau indicateur de la finale, du dernier match, avec un gong ou disque doré affichant des valeurs morales, sagesse, être bon, généreux et croire. On n'est peut-être pas très loin ici du ne pas cracher de Chun-Li, mais ça me semble plus positif et moins critique. Ça n'est pas grand-chose, mais tout mon sentiment sur Virtua Fighter et Street Fighter tient peut-être ici. Injonction ne pas cracher ou être bon et sage. Street, caïd des rues moralisateur. Virtua, vertueux. Moral ou moraliste. À pas grand-chose, c'est très différent. Du reste, Street Fighter n'est peut-être pas forcément le bon titre pour ce jeu. Côté décor, hormis Chun-Li, Blanca, Zangief, ça n'est pas souvent la rue ou le populo qui l'emporte. Sagat, Honda, Dalsim, Vega, avec leurs temples, arènes ou bains publics, sont plutôt confort. Guile, Ken, Ryu, c'est carrément chic, balèze ou classe. En termes de lutte des classes, Japon et États-Unis sont certes mieux placés que Chine, Brésil, Russie, mais cette émission est déjà très longue, l'axe de lecture de la lutte des classes, je vais faire l'impasse dessus. Bref, pour revenir à Street Fighter 2, ne pas cracher fait partie des règles apprises à l'école par les Chinois. On trouve effectivement, paraît-il, ces écriteaux en Chine. Moi, en 2018, je n'en ai pas vu un seul, mais il y en a sûrement. C'est même une injonction visible aujourd'hui encore à la télé chinoise sur CCTV 14, règles de bon comportement en tourisme, par exemple. Et pour ce qui est des poules en cage, on en trouve aussi en Chine, donc pourquoi pas, mais le choix de montrer cela pour définir le décor chinois dans un jeu japonais reste intéressant, il me semble. Interdiction, viande, barbier, eau glacée, poule à tuer, Chine alimentaire, chair, mise à mort attendue d'un animal, anxiogène peut-être, mais aussi simplement lisible, comme ville commerçante, vivante, sans doute. Du reste, si la Chine de 1991 inspirant Street Fighter 2 a sans doute bien changé en de nombreux endroits, Street Fighter 4 en 2008 propose pourtant la quasi même ruelle alimentaire et pauvre. La constance des motifs me paraît intéressante. Encore une fois, on peut y voir une force japonaise à figer le temps et maintenir des formes et discours établis envers et contre tout. Ici, celui de la Chine populaire d'Épinal. Street Fighter 3 Third Strike était pour le coup plus original, quoique restant dans le registre de la Chine nourricière, au boui-boui restaurant ouvert donnant sur la rue, cliché là aussi lisible à l'aune des rapports sino-japonais, comme illustration de la Chine socle de ressources du Japon de la sphère de coprospérité, avec la dictature fantoche du Manchukuo par exemple. Mais tout de même, dans Third Strike, c'était une Chine ancestrale, une ville murée à l'ancienne, pour une fois quelque chose d'original sur la Chine. Je m'attarde sur la poule en cage, morte, à plumer, et les cochons, en décor chinois et hongkongais. Si on trouve effectivement en Chine des animaux vivants au marché, assurant leur fraîcheur, j'ai quand même l'impression que ce motif n'est pas anodin. Street Fighter 2, Real Boot Special, Savage Reign, KOF 13, Real Boot 2, Chine alimentaire toujours, canard laqué, etc.
cochon que l'on voit peu sur les marchés, je crois, en vérité, et poule en cage assez récurrente en jeu de combat, pour qu'on puisse se poser la question. C'est autrement plus rare de voir le Japon exprimé en marché aux poissons, par exemple, chef cuistot d'arrière-plan, préparant des sushis, etc., là où pourtant la politique Cool Japan vante leur cuisine. C'est que poules et cochons chinois sont bien plus ressorts comiques, je crois, d'où ma suspicion du péjoratif par animal, et que la cuisine japonaise a plus de prestige pour les développeurs sans doute. Dans le registre Chine arriérée, Tekken 6 nous gratifie d'une place d'un village apparemment pauvre sur laquelle s'écrase un camion d'animaux, de sorte que l'on se bat entre les animaux à viande, poules et cochons toujours, poules en cage, enclos de bois, terre battue, village terne et boueux, ravioli vapeur en train de cuire et encore d'immenses jarres d'alcool au milieu de villageois figés qui regardent timidement le match sans rien faire, sinon montrer du doigt de temps en temps, aucun encouragement, le sentiment d'intrus plus qu'autre chose, bref, l'effet de grenier alimentaire pourrait ici vraiment être interrogé. Et pour confirmer que poules et cochons, camions bleus chinois et cuisine de rue font partie de toute une iconographie rustique, arriérée, je m'en rapporte au nom des musiques d'accompagnement de décors chinois, un thème nommé « Asie rustique » pour Tekken 6, ou encore « La Chine a 4000 ans d'histoire » et « Comment la Chine peut-elle avoir 4000 ans d'histoire ?» ou même « Comment la Chine a-t-elle survécu 4000 ans ?» pour les diverses variations du thème de Tung Fu Rui de Fatal Fury. Sans dire donc que c'est péjoratif ou honorable, je constate simplement l'idée de la Chine d'Épinal millénaire et ou arriérée nettement affichée. Soit dit en passant, les noms des musiques de jeux de combat feraient un sujet entier à explorer. Bref, l'imagerie la plus répandue l'emporte vite. Ceci dit, des décors chinois ou hongkongais, avec des détails socioculturels moins clichés, il y en a. Certes, Hong Kong de Real Boot Garuden Setsu spécial conserve la poule morte, plumée, tenue par un cuisinier façon Street Fighter 2, mais aussi ces grosses courges chinoises que l'on achète à la tranche, entre autres canards laqués. De même, dans King of Fighters 13, au-delà des personnages chinois du décor assez terrorisant, mais c'est dans ce jeu le lot d'autres peuples, et au-delà du bar à poivreaux, aux hommes quasi nus, jouxtant ce que j'imagine être une maison close à la banderole de bienvenue, aux filles en chipao moulant, double chignon, position lascive pour certaines, le panda bigleux, les cochons comme dans Real Boot Fatal Fury 2, la pagaille, etc., on trouve aussi un marché aux fruits riche de variétés, des broderies de papier rouge, etc., poule en cage, chun-liesque et prostituée comme dans Street Fighter Alpha 2 pour le décor de Gen, mais quand même aussi des détails plus intéressants ici et là, moins dégradants, moins péjoratifs, il me semble. Itou dans Real Boot Fatal Fury 2, néon, dragon, panneau pour de l'alcool, marque contrefaçon, Mikon et non pas Nikon, fille aux lèvres pulpeuses, bar, le rosebud. Bref, on reste dans les poncifs, mais il y a aussi un étrange texte. We love the earth, on aime la terre, et peace, donc la paix, c'est toujours mieux que le ne pas cracher de Chun-Li, peut-être, un peu plus positif. Bref, sous les clichés, la plage, peut-être un peu, parfois, mais c'est quand même largement le stéréotype qui l'emporte. Et effectivement, j'ai l'espoir qu'il y ait à l'avenir des envies de création riches et de sources nouvelles. Si les Japonais convoquent les Dogu du Japon ancien dans Breath of the Wild ou avec 8 îles de Darkstalker peut-être, ils pourraient aussi convoquer l'iconographie celte ou l'art chinois antique pré-dynastique, par exemple, aux motifs très inspirants, comme ils peuvent convoquer ici et là l'art aztèque et comme ils pourraient explorer les motifs de la civilisation Shimmu, moins connue. Bref, même en restant dans un exotisme archaïque et carte postale, il y aurait sans doute plein d'autres pistes possibles, mais j'en reviens au décor de Chun-Li dans divers opus de Street Fighter. En jeu de combat, Shin égale assez vite vélo et surpopulation. Dans Street Fighter 0, 2, 3, Sengoku 3, KOF, etc. Le Japon, pays pourtant très peuplé aussi, est souvent bien moins bondé en jeu de combat, et des décors de campagne désert, il pourrait y en avoir pour les deux pays. Bref, l'imagerie, c'est un choix et un propos. Aujourd'hui, en Chine, je pense le scooter plus présent, du moins plus visible, que le vélo, qui décrit une Chine plus arriérée. Mais dans les années 90, la prédominance du vélo est sans doute globalement plus vraie. Le film Beijing Bicycle ne sort pas non plus de nulle part. Barbier de Shanghai et viande de Xiamen, pour une héroïne venue de Datong, à l'ouest de Pékin. Street Fighter 2 fait aussi un beau pot-pourri chinois à base de magasins d'origine variée, trouvable donc ici en un seul lieu. Un peu comme les États-Unis de King of the Monsters 2, tous les épinales réunis en un seul endroit.
Mais effectivement, on peut aussi dire que les boutiques aux fournisseurs de diverses villes chinoises, on peut les trouver de cette façon en Chine. Il s'agit donc d'un décor compilation qui se trouve peut-être un écho dans Street Fighter 4, ruelle pauvrette encore, écriteau d'injonction renouvelée, rebelote, qui m'a été partiellement traduit par « ne pas rire sinon voilà, je sais pas plus, un restaurant de riz gluant ou de ravioli, il me semble. Bref, Chun-Li est une fleur enfantine, dans un Shanghai ex-territoire occupé, à côté par exemple du drapeau de l'armée japonaise du décor de Honda dans Street Fighter 2. Encore une fois, diplomatiquement, on peut mieux faire. Il y a bien aussi Pékin et Muraille de Chine dans Street Fighter 0, où les héros sont plus jeunes, ici au décor chinois plus ancien donc, mais avec Xiamen, Shanghai, Hong Kong de Fei Long, on choisit plutôt des villes à la connotation coloniale, et surtout situées sur la côte, à proximité du Japon, même Guilin au sud-est, ou Changzhou de Fighters History, Virtua Fighter, et Datong, ville de naissance de Chun-Li, proche de Pékin, s'enfonce assez peu dans les terres. La Chine présentée par le Japon est essentiellement côtière, l'immense reste du pays est assez occulté. Évidemment, ça aussi, ça peut se lire en termes historiques, puisque c'est à l'est de la Chine que se jouera le cœur de la guerre sino-japonaise, c'est à l'est que le Japon investira le plus vite et le plus nettement. Arrêter la Chine à sa riche côte, sinon l'expression d'un grenier de guerre, c'est au moins un déni de sa richesse culturelle. Le décor du Bund de Shanghai, par exemple, dans KOF 14, ou de Street Fighter 4, situé à Pékin, comme pour Street Fighter 2, mais ajoutant une tour à la structure excentrique, qui me paraîtrait plutôt allusion shanghaïenne, je crois, ressemblant un peu à la tour Perle de l'Orient de Shanghai, plus qu'à la tour de radio et télévision de Pékin, d'après moi. Bref, ces décors soulignent peut-être quelque chose d'un fond colonial. J'ai montré cette image à une personne chinoise, et elle a également tout de suite pensé à la Perle d'Orient iconique de Shanghai. On pouvait prendre pléthore d'autres villes, mais on revient à mentionner cet ancien comptoir, où l'on trouve encore beaucoup de présence anglaise, française et japonaise aujourd'hui. Ville internationale certes, en tout cas, les territoires choisis ici sont assez liés à l'histoire sino-japonaise, et on privilégie, il me semble, pour représenter la Chine, des territoires et villes hors de la Chine continentale, des territoires qui sont un à côté de la Chine, une alternative, Shanghai ex-comptoir et Hong Kong, province autonome par exemple. Bien sûr, encore une fois, on peut tenter d'autres interprétations. D'abord dans le décor de Chun-Li dans Street Fighter 2, on ne dit pas « viande de Nanshin » par exemple, ville chinoise symbole des exactions japonaises, mais bien Xiamen. Et si Xiamen ou Amoy n'est pas lié, je crois, directement à l'histoire martiale, la région du Fujian, elle, est aussi le lieu de naissance supposé du Wing Chun, art martial très pratiqué à Hong Kong, dixit Wikipédia, popularisé par Bruce Lee, la mention de Xiamen, située dans cette région, peut donc aussi être lu comme une façon de retracer cette filiation du cinéma kung-fu ancien à Hong Kong et Bruce Lee. Signaler Bruce Lee par Hong Kong justifie en soi aussi le décor de Fei Long. Chun-Li étant flic hongkongaise au nom proche phonétiquement de Wing Chun et de Bruce Lee, inspiré peut-être de Bruce Lee agent infiltré d'Opération Dragon ou de Michelle Yeoh policière dans le film Le Sens du Devoir sorti peu avant Street Fighter 2, Michelle Yeoh, qui a également incarné après, en 1994, la créatrice légendaire du Wing Chun. Cette double piste est suggérée dans un article passionnant sur Chun-Li de l'auteur Noé V, également appelé Big Mex. Encore une fois, je suis tombé un peu tard sur ce texte qui parle de tout ça, de ce qu'on apprend du nom de Chun-Li, des costumes vieillots type 19e siècle des triplettes de Strider, de la représentation de Chun-Li respectueuse et dont le public chinois pourrait être fier d'après lui, du cinéma d'héroïne chinois, des stéréotypes de noms, stéréotypes visuels de personnages chinois et autres, de l'habitude prise d'illustrer la Chine par costumes anciens, styles martiaux sous-explorés pourtant racines de nombreux arts martiaux japonais, et du fait que si, en jeu de combat japonais, on voit peu évoluer la Chine des années 80 jusqu'à aujourd'hui, dans un jeu comme King of Combat, jeu chinois continental donc, au contraire, on trouve une vision chinoise nouvelle qui répond aux stéréotypes classiques. Et ça, c'est une idée que je partage assez. Toute une réflexion dans ce texte aussi sur la possibilité de montrer des populations et minorités ethniques régionales sans tomber dans le cliché, etc. Un autre de ces articles parle donc de Chun-Li comme modèle féminin et culturel positif, peu érotisé, d'après lui, même si, vu la récupération qu'en fait Nicki Minaj, qui de son côté a décelé le contenu sinon érotisé, au moins érotisable du personnage,
On peut se poser la question. Chun-Li ou Nicki Minaj comme modèle féminin progressiste, ça se discute d'après moi. Bref, ces articles explorent les mêmes sujets qu'ici, aux interprétations parfois très différentes des miennes, donc je vous conseille de lire aussi ces textes passionnants, bien plus courts que cette émission, si vous ne les connaissez pas. Le lien sera en description. J'en reviens à Chun-Li et Street Fighter 2. Dire Shanghai par le texte dans le décor et par la robe Chipao de Chun-Li, ça peut donc se lire au terme de l'histoire militaire japonaise, mais aussi en termes d'évolution culturelle chinoise, notamment vers un capitalisme institutionnalisé. Quoi qu'il en soit, décors et personnages font un canevas passionnant à explorer. La Chipao connote la modernité, certes, mais également la Chine colonisée. La robe vient de Mandchourie, socle impérial du Japon pendant la guerre avec l'état fantoche du Manchukuo, et se popularise à Shanghai au début du siècle, longtemps aussi comptoir colonial. Classiquement, la Chipao est longue, Chun-Li la porte courte. Ce n'est pas un uniforme de combat, c'est peut-être le seul personnage à porter un vêtement aussi manifestement inapproprié, mais on peut aussi dire que la taille courte facilite le combat, ou illustre l'idée d'une jeune chinoise moderne en mini-jupe, sûrement déjà à la mode au moins à Hong Kong en 1991. L'aspect floral du costume, on peut aussi le rapporter à la Chipao décorée de fleurs traditionnelles. Les bracelets pointus aux poignets empruntent peut-être au cinéma kung-fu type Shaolin, même si, encore une fois porté par Nicki Minaj, ça fait largement plus SM. La ceinture ventrale, enfin, a été comparée par Big Max à un nobi, une ceinture de kimono japonais, élément culturel nippon très spécifique, ici serré par-dessus la chipao chinoise. Là encore, le cas échéant, ça sera perçu comme condescendant, ou plutôt fraternisant, fusionnel, selon point de vue. Si je m'attarde autant sur Chun-Li, c'est en tant qu'image de la Chine et modèle féminin absolu du jeu de combat que l'on n'explorera sans doute jamais assez, et encore une fois, je ne prétends pas avoir la bonne lecture d'un personnage devenu si colossal, je ne crois pas qu'il n'y ait aujourd'hui qu'une seule vérité à cette figure. C'est pour cela que j'en ai tout d'abord proposé plusieurs lectures possibles, et d'ailleurs, j'ai aussi envie de voir le verre à moitié plein. Certes, les Chinois le rendent bien aux Japonais en termes de haine médiatisée et de préconçue, avec par exemple leur caricature de généraux japonais bigleux, à lunettes, sadiques, sans aucune pincette à contrario de la production japonaise, au discours raciste plus implicite, subtil en général, dans mon hypothèse globale du moins. Mais des deux côtés, les exemples d'amitié et de sympathie existent aussi. Bref, il ne s'agit pas de dire tel pays mieux que l'autre. L'idée, c'est d'explorer les rapports visibles entre divers pays à travers leur production et le peu que j'en perçois, dans la production japonaise surtout, simplement parce qu'elle est majoritaire, particulièrement en jeu de combat. Au fond, le jeu de combat japonais parle peut-être de la Chine et des autres pays comme il parle du Japon, de façon assez homogène et monolithique. Il y a des exceptions, des minorités, Nakoruru qui est Ainu, Shon Matsuda Nikkei Jin, mais tout tourne, je crois, quand même autour des Japonais Yamato, groupe ethnique ultra-majoritaire, peuple techno-urbain ou rural folklorique en jeu de combat japonais. Même les personnages de Yakuza ou de Furio marginaux filant un mauvais coton sont, je pense, Yamato et non paria de castes méprisées telles les Burakumin des zones isolées. Bref, pour ce qui est des minorités, d'intuition, je crois que le jeu de combat leur fait peu de place. Combien de jaquettes ou illustrations de jeux de combat posant le Japon au centre de tout, comme ici avec Akira et Soleil pour Virtua Fighter, qui me semble pourtant, comme je l'ai dit, plutôt ouvert au monde et pas du plus raciste. La question de pureté ethnique occupe, semble-t-il, assez le Japon de manière générale. Un article de recherche sur la réticence historique des Japonais vis-à-vis des peuples halogènes pointe le poids du sentiment identitaire. Les saillies anti-coréennes, chinoises, taïwanaises de l'ancien maire de Tokyo, par exemple, écrivain célèbre réélu trois fois, qui déclare aussi visiblement le quartier de Roppongi, quartier d'Africains, pas d'Africains américains, attention, avec les États-Unis le racisme serait plus mesuré, bref, des Africains qui ne parlent pas anglais, et qui sont là on ne sait pourquoi, ce qui conduit à de nouvelles formes de crimes comme le vol de voitures, nous devrions laisser entrer des gens intelligents, fin de citation. Je me dis qu'un personnage politique important avec ce type de discours du noir sauvage qui ne parle pas la bonne langue, criminel et idiot, permet peut-être in fine d'avoir, en jeu de combat sans aucun problème moral, sans culpabilité de la part des développeurs, des personnages noirs caricaturaux d'imagerie coloniale, Banania, dont j'ai déjà parlé dans la partie personnages.
En tout cas, ça va dans le sens d'un discours établi, et la distinction de peuples et de cultures a peu d'importance, la couleur de peau noire fera l'essentiel du personnage, les particularités culturelles locales seront très secondaires, je crois. De même, illustrant la Chine, j'imagine que le jeu de combat japonais se concentre plutôt sur la population chinoise des Han. C'est pourtant pas la richesse régionale qui manque, même juste en termes de costumes folkloriques. Minorité Miao, Ouïghour ou Xinjiang-ren, Chaoxianzhu, frontalier à la Corée du Nord, parlant coréen, etc. Multiplicité dans laquelle on pourrait aussi puiser une variété d'instruments et musiques traditionnelles diverses, qui feraient des pistes sonores très originales, et pour le coup vraiment folkloriques, sans artifice redigéré des compositeurs et compositrices nippons nippones. Mais de même que les rednecks ou mormons ne sont pas ce qui intéressera d'abord le jeu de combat japonais pour parler des États-Unis, les ethnies chinoises minoritaires ne sont pas son centre d'intérêt côté chinois. Personnellement, pour illustrer la Chine en termes de décor, je partirais sans doute plus de routes, autoroutes surélevées et barres d'immeubles, du fluo électrique, des néons, la nuit, dans les grandes villes mais pas seulement, néons et routes peut-être plus présents dans le jeu chinois King of Combat par exemple. Je partirai aussi des murets et fresques peints pour clôturer un chantier, un terrain vague, une zone d'habitation, murets qui constituent un panorama urbain et périurbain chinois sans doute considérable, rues commerçantes aux panneaux publicitaires géants à base de stars sur fond coloré, zones de construction pleines de grues, grands axes commerçants aux marques omniprésentes, boutiques d'iPhone et banques ou restaurants tout du long. Au fond, le décor commerçant de Chun-Li dans Street Fighter 2 illustre une culture marchande très forte en Chine, avec grandes et petites enseignes collées les unes aux autres. Bref, réalisme, martelage des clichés internationaux ou regard japonais, c'est sûrement souvent au croisement des trois qu'on aboutit à un décor. À l'intuition, je dirais en général un peu de réalisme, pas mal de fantasmes japonais et beaucoup de clichés internationaux pour lier le tout. Bien sûr, ça dépend des jeux et des développeurs, il faudrait un examen approfondi et exhaustif. Pour ce qui est des décors chinois, je mettrai aussi les centres commerciaux, tant les immenses malls occupent souvent les centres-villes et les activités. Je commencerai par un prototype urbain en somme, et de zones rurales entre béton et terre battue, maisons carrelées, etc. Tout ça qui est assez rare, il me semble, en jeu de combat. Idée du réel très en retrait par rapport au préconçu à mes yeux. Après, mes propositions sont aussi caricaturales que les autres si on s'arrête à ça, il faudrait sans doute plutôt explorer les nuances qui vont du typique au folklore, à l'épinal et au cliché. Références personnelles, épinal télévisuel, carte postale, lieux véritables anciens et nouveaux, surprenants, inattendus. Pour moi en Chine, ça serait par exemple les salles de perfusion groupées, en hôpital, ou encore comme source, lieux réels d'après photo ou réarrangés, voire plusieurs lieux mélangés pour produire un sens nouveau, sans oublier la pure création libre et farfelue. Tous ces modes de représentation sont recevables, tant qu'il n'y a pas juste une seule de ces catégories. La variété de contenu et d'approche sont sans doute une piste importante pour s'éloigner du pur cliché. Peut-être que le jeu de combat part juste au plus efficace avec les épinales. Le décor de Chun-Li affiche divers éléments à la source réelle, mais c'est dans le choix de ce qu'on convoque, et non juste des clichés pris au hasard, disons équitables entre les pays, que j'y verrai une véritable intention. C'est mon impression, mais peut-être s'agit-il aussi simplement de racisme ordinaire par cliché des pays montrés, pas plus articulé que ça. La Chine est un exemple intéressant dans Street Fighter 2, parce qu'on est peut-être d'autant moins prompt à y lire une expression raciste que le mépris ordinaire envers la Chine est très banal en France. Pas spécialement voyant peut-être, mais très diffus. Ce ne sont pas des images ou des idées positives qui viennent sans doute en premier à la majorité d'entre nous si on dit « Chine » ou « Chinois ». Blanca paraîtrait-il plus ou moins méprisant dans son image de sauvage du Sud au public français si le Brésil avait en France une image médiatique générale différente? Je ne sais pas. Trouvera-t-on Blanca plus rigolo, ridicule ou blessant selon qu'on a d'abord du Brésil une idée de chaleur festive ou bien de pauvreté, impeachment, etc. Je crois que oui. Nos propres préconçus entrent en résonance, écho ou résistance avec ceux d'un jeu de combat, discrètement peut-être, mais il y a un échange. Il m'apparaît par exemple dans Street Fighter 2 plus facile de lire Dalsim, Yogi extrême et Blanca sauvage de la jungle comme épinal raciste que Chun-Li, juste chinoise, même si encore une fois je pense que le genre féminin compte pas mal. S'il est plus difficile de lire dans Chun-Li une formulation raciste, c'est soit qu'il n'y en a manifestement pas l'intention,
soit que nos préconçus sur la Chine sont surtout d'abord négatifs, et qu'alors le jeu de combat au cliché de pays arriérés, miteux, surpeuplés, etc. ne sera pas à blâmer, ça fera un portrait au contraire plutôt cohérent avec celui qu'on s'en fait soi-même, soit, enfin, qu'on ne connaît la Chine qu'à travers ses clichés, les mêmes que le jeu de combat diffuse, et là encore, on n'y trouverait donc rien à redire. Bref, c'est peut-être juste le même racisme ordinaire envers la Chine qu'en Occident qui habite le jeu de combat japonais, mais je crois que ce dernier n'explique pas tout. Ce racisme occidental n'intègre pas le levier sexiste, ni tellement le folklore chinois des temples, ou les allusions à la Seconde Guerre mondiale par exemple. Le racisme du péril jaune, des Chinois nombreux, grossiers, voleurs d'emplois et impérialistes, diffère pour moi des représentations nippones d'un pays chinois vite féminin, grenier de guerre, fragile, miséreux, etc. Bien sûr, concernant la Chine et l'évolution de sa place internationale, son image évolue aussi beaucoup un peu partout, mais à mes yeux, il y a des nuances passionnantes dans les préconçus qu'on a envers ce pays, ouvrant une possibilité critique de nos propres représentations par comparaison avec d'autres, et ce d'ailleurs pour n'importe quel pays. Après, on peut se demander si le décor d'Épinal est en soi un objet raciste, si ça dépend des éléments convoqués, de l'intention du pays ou du groupe qui construit ce décor, qui use d'Épinal à sa propre encontre ou pour valoriser, dénigrer un autre peuple, un autre pays, etc. Bonus stage de World Heroes cassant des pylônes de temple ou des vases dans un décor chinois, Toyota a brisé dans le décor américain de Ken de Street Fighter 2, au pic de la guerre économique Japon-États-Unis, symbolisé notamment par la voiture et le toyotisme. Pour moi, ça dit des choses, mais bien sûr, on peut penser que c'est surinterprété. De même, dans le décor de Chun-Li de Street Fighter 2, le panneau « Viande de Xiamen » est peut-être juste un panneau réel de Hong Kong, comme le signale un site sur Hong Kong en jeu vidéo, mais le choix de ce panneau, dans l'immensité iconographique locale, reste interrogeable. De même, j'ai parlé du décor « War Agony » dans l'émission précédente, mais qui sait si ce n'est pas la Chine qu'on y illustre, avec drapeau nippon, je crois, donc occupé, bombardier qui passe. Ça pourrait être un geste diplomatique, le Japon violemment bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, Tokyo notamment, a également fortement bombardé la Chine. Ce décor pourrait donc illustrer la bataille de Shanghai par exemple, la voiture suggérant une ville asiatique occidentalisée, mais à vue de maison je pense que c'est bien le Japon que l'on voit ici, et Capcom n'étant pas du plus progressiste au monde, je doute qu'on y osa raconter l'histoire nationale de la sorte, en agresseur militaire et non victime. Mais encore une fois, la question du cliché est complexe. La Chine, on l'a vu, use par exemple aussi d'Épinal à son propre égard. On trouve la cité interdite sur divers sigles officiels de la République populaire de Chine, ou la Grande Muraille sur certains écussons de la police. Cité interdite, symbole d'autorité. Grande Muraille, symbole de défense et d'unification nationale. Les rapports Chine-Japon interrogeant vite l'autorité et la souveraineté, ces décors sont donc signifiants selon qui les utilise et la façon de les mettre en scène. Les temples, prédominants pour illustrer la Corée, mais aussi la Chine en jeu de combat japonais, pourraient également être lus comme négation de la République populaire de Chine voulue athée, un peu à l'instar des églises et cathédrales russes pour illustrer l'URSS, temples et basiliques religieuses pour illustrer des pays communistes, au pouvoir politique censé être déconnecté de la religion, venant du jeu japonais, mot d'ordre post-Seconde Guerre mondiale, de faire rempart au communisme. Après tout, encore une fois, le Japon raconte souvent les choses comme il veut, il occulte ce qu'il veut de l'histoire et des pays, ça me paraît donc envisageable, en tout cas, ça peut s'interroger. Bon, après, le décor de site touristique, c'est certes une vision orientée d'un pays, mais au final, est-ce que c'est tellement grave? Je ne sais pas. Et encore une fois, on peut avoir une toute autre lecture de la production Capcom, par exemple. La considérer très ouverte au monde, c'est manifeste, elle ne montre pas que le Japon, elle produit des images riches, que je trouve personnellement peu originales certes, mais exprimant la Chine, Capcom c'est aussi des ruelles boui-boui, la Grande Muraille, Pékin surchargé de vélos. Certes, on peut penser qu'à épuiser les clichés, on est contraint peu à peu d'en chercher de plus originaux, la ville murée par exemple, mais en tout cas c'est quand même assez varié. Épinal, d'accord, pas de maison ancienne de gouverneur, de cour d'école martiale ou autoroute suspendue. Mais ce décor ancien de ville murée dans Street Fighter 3 Third Strike porte au moins plein de choses intéressantes, et à côté des temples rouges chargés de dragons dorés que l'on peut voir dans d'autres jeux, c'est plutôt assez riche.
Je préfère sans doute un peu la beaufrie excessive caricaturale de KOF et SNK à ce que je perçois comme voulu épinal politiquement correct chez Capcom, mais c'est bien sûr très subjectif, et c'est sûrement aussi l'affect qui parle, on peut certainement avoir le sentiment inverse. La Chine de Capcom c'est aussi Warzard ou Sun Sun, et même si Sun Wukong, Son Goku, est une icône chinoise populaire sans aucun risque au Japon, au surnom en double prénom ici de Sun Sun, que les Chinois, eux, n'utilisent pas, je crois. Quoi qu'il en soit, on peut lire la production Capcom d'un œil plus bienveillant, moins méfiant, et en dehors d'une approche historico-socialo-culturelle du Japon et de l'industrie nippone par rapport au monde. Et si les décors chinois de Street Fighter sont apparemment plus longs à produire, plus riches de détails que d'autres, dixit un article lu sur le tard du numéro 15 de Retro Gamer Collection, on peut à partir de cela interpréter plein de choses, un épinal Hong Kong surchargé prédominant, ou un effet recherché d'hyperdensité objective de population, ou encore une vision de la Chine capharnaüm et grossière implicite, mais aussi simplement un soin particulier accordé à la Chine, chacun aura son avis sur la question. Hors jeu vidéo, dans le positif hollywoodien, le film « À tous les garçons que j'ai aimés » propose une héroïne d'origine asiatique, sans jamais la ramener à cela. Elle est timide, mais jamais on ne suggère que c'est parce qu'elle est asiatique qu'elle est timide. C'est juste une adolescente que l'on suit, et l'impression ici d'absence de préconçus raciaux fait beaucoup de bien. Tout ça pour dire que si Hollywood, en l'occurrence Netflix, y arrive, pour se démarquer, certes, le jeu vidéo peut bien y parvenir aussi. Dans le positif encore, à côté des clichés, dans le décor de Yoon pour Street Fighter 3 Second Impact, pour illustrer Hong Kong, sorti des panneaux Capcom, du mur type temple rouge, or et noir, que l'on trouve aussi dans un décor de Guilty Gear par exemple, sans doute japonais, nommé Japanese Colony, j'en parlerai après, bref, sorti des allusions au ciné Kung Fu, affiches de films au simili Fei Long Bruce Lee, et autres femmes en chipa aux jambes nues clichés, on trouve des cages à oiseaux, qui certes prolongent la tradition des poules en cage de décor chinois, mais que l'on peut ici casser, marché local saccagé ou oiseau libre, ça peut se lire comme signe positif, ou comme affirmation d'un discours colonial encore, entendant libérer la Chine en l'envahissant. De même, le décor de Chun-Li de Street Fighter 2 se nomme Peace Road, route calme ou chemin vers la paix, on le lira comme on veut, début de main tendue ou révisionnisme encore une fois, idée positive de la sphère de coprospérité, etc. Diverses interprétations sont possibles et les lectures pacifistes, cordiales, amicales sont aussi légitimes que les autres. Ceci étant, ce regard neutre ou bienveillant sur leur production est assez répandu, je crois, et c'est aussi pour explorer le champ de réflexion sur le jeu de combat que je fais cette série d'émissions, d'où mon hypothèse d'un jeu japonais intentionné politiquement, ou du moins fort de préconçus et de raisons quant à ses représentations du monde. Mais même dans cette hypothèse-là, à la décharge d'un jeu japonais qui serait tout en cliché, on pourrait considérer que la production télé, cinéma, jeux vidéo chinoise n'explore pas forcément toujours plus sa propre variété culturelle et historique. J'ai le sentiment que dans la production chinoise, on recourt vite à des périodes, thèmes et folklore hyper dominants, les trois royaumes, royaume combattant, la vie à la cité interdite, Shanghai des années 30 et Seconde Guerre mondiale résistante. En gros, les mêmes périodes que le jeu japonais convoque en général pour parler de la Chine, Seconde Guerre mondiale en moins, ou moins explicite, bref, difficile de lui reprocher de ne pas être plus varié quand la production chinoise est elle-même vite très homogène et cliché. D'ailleurs, je le redis, le décor chinois en jeu vidéo japonais offre quand même des choses relativement variées. Entre King of Fighters 94 et son reboot, le décor chinois a bien changé par exemple, on trouve encore Dragon, Panda, Tour Perle de l'Orient de Shanghai, peut-être, mais surtout un fond de bâtiments modernes, témoignant d'une prise en compte de l'évolution du pays ou de ses représentations, la Chine étant un marché important pour le groupe SNK. De même dans Samurai Spirit 6 et son décor du Nouvel An chinois, proposant un temple aux couleurs variées, bien plus représentatif d'un grand nombre de temples qu'on peut trouver en Chine, aux poutres colorées, jade, bleu, etc. Bref, à côté des sempiternels décors de Chine arriérés type Tatsunoko versus Capcom, le jeu japonais trouve parfois des expressions moins clichées. Mais j'ai l'impression malgré tout que dans le jeu chinois King of Combat par exemple, les décors sont plus modernes, urbains et originaux, dans le sens où rien ne les identifie clairement comme chinois. Les clichés visuels nationaux cèdent la place aux marqueurs plus internationaux et génériques, notamment militaires, armées, containers, porte-avions, etc. Je ne m'en réjouis pas tellement, mais au moins on peut dire Chine sans avoir à dire Temple Rouge, Grande Muraille, Ruelle Pauvre, etc. J'en ai parlé, King of Combat c'est aussi un décor de la Chine sur les toits,
Lanterne rouge d'Épinal, certes, mais également néon, et non pas panneau hongkongais, mais bien néon fluo, que l'on trouve véritablement en Chine beaucoup, écrans géants et gratte-ciel d'arrière-plan, dans ce qui semble être un quartier de ville traditionnel refabriqué, artificiel, un faux vieux quartier, comme on en trouve aussi en Chine. Certes, il me semble que c'est plus sophistiqué comme image de la Chine que le simple temple rouge ras du sol dans le jeu de combat japonais. Après, une autre hypothèse du succès de King of Fighters, plus simplement raciste et méprisante par généralité, serait de considérer les Chinois moins sophistiqués globalement que les Japonais, et Street Fighter 2 plus subtil mécaniquement que King of Fighters, ou encore les Chinois plus pris par l'apparence, l'allure, et les Japonais plus saisis par le système, à considérer le système de Street Fighter 2 plus fin que ceux de King of Fighters, SNK encore une fois, et ça se discute certainement. Bref, comme toujours, c'est un sujet immense, qu'on ne peut traiter que partiellement, même en prenant le temps. On pourrait aussi dire que les clichés représentationnels habitent également le jeu de combat fantastique, de science-fiction par exemple. Si le futuriste Guilty Gears abonde en éléments et décors japonais d'Épinal semi-robotisés, à côté du steampunk et ou des décors de fin du monde, la Chine, elle, en reste essentiellement à ses néons hongkongais et à ses dragons, comme dans pléthore de jeux, Fatal Fury Reboot 2, ou Street Fighter 3 pour les jumeaux Yun et Yan, dragon, néon hongkongais. En gros, donc, on en reste à Shin égale Bruce Lee, par association Dragon Hong Kong, avec ici et là une chinoise en Chipao, au beau milieu du décor, de face ou de dos. On trouve aussi les décors récurrents nommés Japanese Colony de la série Guilty Gear, qui varient d'un jeu à l'autre, parce que dans ce monde futuriste, il y a sans doute plusieurs colonies japonaises, d'après Wikipédia. Décors qui m'ont d'abord paru très japonais, avec Tori et près de Shinto, mais finalement, à vue d'architecture, motifs dorés, etc., ça me semble correspondre à ce qu'on peut trouver pour des temples de bouddhisme chinois dans divers pays d'Asie, même si on trouve sans doute aussi au Japon ces architectures et lions en statues d'inspiration chinoise, et la BD du jeu va dans ce sens, avec Sanctuaire d'Inari et Simili Fujiyama côte à côte, même si géographiquement ça ne colle pas. Bref, je pense qu'il s'agit bien de décors japonais, manifestes dans Guilty Gear Third, avec cerisier en fleurs, etc., donc Japon dans la plupart des cas, voire tous, mais je n'en suis pas non plus certain, et l'appellation colonie n'est pas anodine, ça pourrait être la Chine après tout, et à ce moment, évoquer la Chine comme future colonie du Japon ne serait pas du plus apaisant, avec dans Guilty Gears une histoire de japonais interdit de quitter ses territoires isolés du monde par une barrière de force, jeu dont la première date explicite dans la timeline millénaire est 1945, création des Nations Unies, d'après Wikipédia toujours. Japon isolé du Sasoku futuriste ou Japon colonial, je ne sais pas ce qui serait ici le mieux. Bref, je ne connais pas assez l'histoire de cette franchise, mais il serait sûrement intéressant d'en explorer un peu plus les représentations. On pourrait aussi parler de jeux de combat de Square, du line-up de Tobal, assez orienté chinois, ou de Sokaigi, au personnage japonais, mais à coloration il me semble assez chinoise, comme Iryu no Ken. Parler aussi de la notion de crossover, qui rejoint celle du métissage culturel, vite devenue une question clé en jeu de combat, chez SNK par exemple. Ou encore d'autres créations qui sont point de rencontre positive entre Chine et Japon, comme Asian Dynamite, adapté de Dynamite DK 2, Hitori no Shita, série japonaise et chinoise issue d'une bande dessinée chinoise. Certes, Chine et Japon ont aussi des liens économiques importants, très gros importateurs-exportateurs l'un de l'autre, mais les objets de ce genre sont encore assez rares, je crois. Dans le registre de la pure influence du cinéma kung-fu, on peut aussi citer Tenkaichi Bushi Keru Naguru par Namco. Les vieilles habitudes ayant la vie dure, les pratiquants d'arts martiaux chinois font ici un salut incliné nippon. Au lieu du salut en arts martiaux chinois, le salut Jing Li, aux mains qui se touchent, soleil et lune, yin et yang. Mais bon, en dépit de ça, c'est quand même un jeu japonais apparemment très orienté Chine, comme dit la publicité. Kung-fu action role-playing game. Pour finir, hors du jeu de combat, le jeu Golden Gun témoignerait plutôt d'une attention à la Chine. Gun shooting réalisé pour le marché chinois, par Sega Shanghai, équipe chinoise, sauf réalisateur japonais, mais le jeu a effectivement une couleur bien chinoise, avec le décor du Bund de Shanghai. Bref, si même un gun shooting, qui n'est pas le genre le plus porté à l'amour de son prochain, arrive à trouver un terrain commun, tout est sans doute possible. Bon, après, évidemment, quant au Japon, Shinzo Abe lui-même va au Yasukuni Jinja,
sanctuaire des morts pour le Japon qui honore nombre de criminels de guerre, bien sûr, ça n'aide pas les relations internationales. À un degré infiniment plus marginal, mais pas anodin sans doute, Pocket Fighter n'aide peut-être pas non plus l'amitié sino-japonaise, avec son décor de magasin de jouets, où la chinoise Lei Lei de Darkstalker est devenue une mère Noël dont le traîneau est tiré par un attelage de pandas, où Chun-Li et Jun de Star Gladiator, deux chinoises à double chignon, sont devenues poupées à vendre et hologrammes. Je ne sais pas si leurs pompons mignonnés ont motivé ce choix, le personnage de Sasquatch aurait par exemple fait ici une peluche plus évidente, bref. En attendant que ça s'améliore, et pour rester dans un sujet où l'héroïne chinoise est assez vite mise à profit, j'essaierai de réfléchir un peu dans la prochaine vidéo à la question des représentations féminines et de misogynie en jeux de combat, essentiellement japonais cette fois. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.